Louange à Dieu, Seigneur et Maître des univers, Sustainer of the worlds, le Clément, Most Gracious, Most Merciful, Roi du jour de la rétribution. C'est toi que nous adorons et c'est de toi que nous implorons aide. Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as touchés de ta grâce, et non de ceux qui ont parcouru ta colère, ni des égarés. Ceci était la sourate d'ouverture dans le Coran. Au nom de l'Association des étudiants musulmans à LSU et du Centre islamique à Bâton Rouge, je vous souhaite la bienvenue à notre conférence de ce soir. Nous considérons en tant qu'étudiants à LSU que la conférence de ce soir, dont le sujet est en réponse à Frère Swaggart, Mohammed, que la paix soit sur lui, dans la Bible, ce sera le thème de notre conférence de ce soir. Nous sommes heureux de votre présence parmi nous. Et avant de commencer l'événement de ce soir, je voudrais vous présenter rapidement notre conférencier. Il est docteur en théologie comparative et directeur du Centre de propagation islamique à Durban, en Afrique du Sud. Et il mène depuis longtemps une grande activité au sein de la communauté musulmane. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Le Christ dans l'Islam, La Bible est-elle la parole de Dieu, Ce que la Bible dit à propos de Mohammed, que la paix soit sur lui, La réponse de l'Islam au problème racial et Notre Coran, le miracle ultime. Je vous prie d'accueillir chaleureusement Frère Hamed Didat, notre conférencier de ce soir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله صدق الله العظيم Mr. Chairman, Monsieur le Président, chers frères et sœurs, le sujet de ce soir est, en réponse à Frère Swaggart, Mohammed, que la paix soit sur lui, dans la Bible. En réponse à Frère Swaggart, à qui on avait posé la question la nuit dernière, quelqu'un lui avait demandé si Mohammed, que la paix soit sur lui, était mentionné dans la Bible. Écoutez la réponse de Frère Swaggart. En général, toutes les religions cherchent à retrouver la Bible dans leur doctrine. Et c'est le cas du Coran. Le Coran prétend que la venue de Mohammed est annoncée dans la Bible. Mais Mohammed n'est pas cité dans l'Ancien Testament. Bref, il a dit non, il n'existe aucune mention de Mohammed dans la Bible. Le problème avec la nuit dernière, c'est que les questions étaient posées séparément à chacun de nous. Une à Didat, une à Swaggart. Il n'y avait donc pas de débat entre Swaggart et Didat pendant le temps consacré aux questions. Voyez-vous, je ne pouvais pas dire, excusez-moi, mais il y a quelque chose là, puis engager un débat sur la question. Ce n'était pas l'occasion de le faire. Quoi qu'il en soit, je vais maintenant répondre à cette question, à l'affirmation de Frère Swaggart, selon laquelle Mohammed n'est nullement cité dans la Bible. L'assistance était plus nombreuse la nuit dernière, mais du moment où mon discours est enregistré, je suis certain que ma réponse sera apportée à la connaissance de Frère Swaggart. J'ai rencontré un fidèle de son église et j'espère qu'il lui transmettra mon message. J'aime et j'admire Frère Swaggart et son épouse Frances. J'ai rencontré ce couple avant notre réunion, notre débat,
et j'ai bien apprécié leur compagnie. Et il me semble qu'ils ont apprécié la mienne également. Un couple merveilleux, vous savez, un couple charmant. Ce matin, je disais à quelqu'un que si le charme pouvait convertir, le charme, croyez-moi, je serais devenu chrétien. Je me serais converti. Voyez-vous, le charme est là, mais la théologie n'est pas juste. Le concept de Dieu n'est pas juste, mais c'est un couple charmant. Je rends hommage à Frère Swaggart et à son épouse. Revenons maintenant à notre sujet. J'ai déjà traité cette question à plusieurs reprises, et lorsque j'ai commencé à m'y intéresser, à chercher ce que dit la Bible à propos de Mohammed, que la paix soit sur lui, je ne savais pas, au début, que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, était nommément cité dans la Bible. Nommément cité. Ça m'a échappé pendant très longtemps. Les gens instruits ont dit, où voyez-vous ça, frère Swaggart affirme qu'il a lu la Bible maintes et maintes fois. Certains versets qu'il cite dans ses ouvrages, il les a vus maintes et maintes fois. J'ai lu la Bible d'innombrables fois, d'autres ont fait autant qui me sont supérieurs en érudisme et qui connaissent l'hébreu et le grec. Et malgré ces lectures innombrables, frère Swaggart n'a rien vu. Est-ce possible? Je vais vous expliquer comment je vois les choses. D'abord, Mohammed est nommément cité. Dans les manuscrits primitifs, le Vieux Testament, selon les autorités religieuses de l'Église, fut conservé en hébreu et le Nouveau Testament dans des manuscrits grecs, en langue grecque. Dans l'Ancien Testament, Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, nous lisons en hébreu. Je suis certain que Frère Swaggart appréciera, car je l'ai entendu dire qu'il connaissait l'hébreu et qu'il connaissait le grec. En hébreu, nous lisons donc ceci. Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 16, le mot Muhammadin se compose de Muhammad et Im. Im est le pluriel de respect en hébreu. Le premier verset de la Bible dit, livre de la Genèse, chapitre 1, verset 1, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Le mot « Dieu » en hébreu, c'est « Elohim ». En hébreu, « El » désigne Dieu. « Ella » désigne Dieu. « Elohim » est une forme de pluriel qui marque le respect et la révérence. Pluriel de respect. Dans toutes les langues orientales, y compris l'arabe et l'hébreu, il existe deux sortes de pluriel. Dans ma langue maternelle, nous avons le pluriel de respect et le pluriel des nombres. En ourdou, pluriel de respect et plusieurs des nombres. Dans le Coran également, nous trouvons exactement la même chose. Comme dans ce verset, Dieu dit, c'est-à-dire, c'est nous-mêmes qui allons faire descendre la révélation et c'est nous-mêmes qui la préservons. Qui est-ce nous? Demandez à n'importe quel musulman, qui est-ce nous? Est-ce Dieu, Gabriel et Mohammed, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Non, non. C'est quoi ce nous? Que désigne-t-il? Quand on nous dit dans le Coran, dit, c'est lui, Dieu, seul et unique. Ici, il parle de nous. Aucun chrétien arabe n'a posé la question aux musulmans. Aucun chrétien arabe n'a demandé aux musulmans qui est ce nous. Car il sait que dans sa langue, il existe deux sortes de pluriel. Le pluriel de nombre et le pluriel de respect. Ce nous, c'est comme dans les décrets royaux. Vous avez le pluriel de respect. Nous avons décrété, dit la reine, nous, qui désigne-t-il ce nous? Non pas elle, son époux et son fils, non, non, non. Il ne s'agit que d'elle seule, le pluriel de majesté. Ainsi, Elohim
est un pluriel de respect. Im, elle, c'est Dieu. Ella, c'est Dieu. Elohim, c'est plus qu'un pluriel de respect. Mais nos frères chrétiens, vous savez, lorsqu'ils veulent expliquer la Trinité, que Dieu Tout-Puissant se manifeste dans trois personnes, trois personnalités, une Trinité, ils disent que ce S désigne le Père, le Fils et le Saint-Esprit parce que c'est au pluriel. Admettons que c'est au pluriel. Et s'il désigne les dieux, c'est la traduction exacte. Mais il n'existe aucune Bible, aucune des différentes versions de la Bible, pas une seule Bible au monde où il est dit, au commencement, les dieux ont créé les cieux et la terre. Je vous demande, pourquoi êtes-vous si malhonnête? Si c'est au pluriel, pourquoi n'employez-vous pas la marque du pluriel? Pourquoi ne dites-vous pas au commencement, les dieux ont créé les cieux et la terre? Pourquoi dites-vous Dieu? Voyez-vous, si c'est au pluriel, dites-le franchement. Dites qu'il y a des dieux. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et qu'ensemble, ils ont créé les cieux et la terre. Non, demandez à n'importe quel juif, c'est son livre saint, demandez-lui ce que signifie ce hymne, il vous dira, écoutez, c'est dans ma langue, c'est le pluriel de respect, Dieu est unique, mais par respect, nous parlons de cette manière. Hymne, Mohammed, im, Mohammed, im, pluriel de respect. Le mot est là, en hébreu. Dans l'original, de ce qu'ils appellent original, il est là. Mais ils l'ont traduit en anglais, le tout beau. Mon bien-aimé est tout beau, dit Salomon. Quand vous lisez le tout beau, il ne vous vient pas à l'esprit de l'associer avec le mot Mohammed. Vous le lisez des milliers de fois, le tout beau, le tout beau. Ou disons-le dans une autre langue, le loué, Mohammed veut dire le loué. Quand vous dites le loué, vous ne pensez jamais qu'on parle de Mohammed, quoique Mohammed veuille dire le loué. Vous n'avez pas le droit de traduire les noms propres, quels qu'ils soient. Votre nom ne doit pas être changé, Monsieur Noir est Monsieur Noir, même s'il est blanc. Qu'il soit européen ou caucasien, vous n'avez pas le droit de dire Monsieur Aswad. Vous ne pouvez pas l'appeler Monsieur Aswad. Il est Monsieur Noir. En ourdou, je dis Monsieur Noir. Je ne peux pas dire Monsieur Kala. Je n'ai pas le droit de traduire les noms propres. Vous savez, à une certaine époque, le président de l'Afrique du Sud était Meneer Swart. En afrikaans, Meneer veut dire Monsieur. Et Swart, Noir. Meneer Swart signifie donc Monsieur Noir. Mais je dois conserver le mot Swart pour que vous sachiez qu'il est Afrikaner. Si je traduis par Monsieur Noir, vous pourrez penser qu'il est français. Si je le traduis par Kala, vous croirez que c'est un Pakistanais. Voyez-vous, si je le traduis en Zoulou, même Zamiyama, ce qui veut dire noir, vous allez penser qu'il est Zoulou, le président d'Afrique du Sud. Vous n'avez pas le droit de traduire les noms propres. Mais ils l'ont fait. Mohammedin, ils l'ont traduit par le tout beau. Mais le mot Mohammed est là, en hébreu, dans les textes originaux. Ainsi, merci, merci, merci. Si l'on analyse, pour vous montrer par d'autres preuves que la maladie était très répandue parmi les traducteurs de la Bible, en particulier dans le dogme chrétien, voyez-vous, ils ont traduit des noms tels que Messiah, Messiah. Jésus était le Messie, un mot hébreu. En arabe, Messie, traduit par Christ. Comment cela se fait-il? Comment se fait-il qu'on l'appelle Christ? Voyez-vous, le mot hébreu, messa ou massi, veut dire oindre, frotter. Vous savez, quand nous les musulmans allons à la prière, nous faisons al-oudou, l'ablution. À part se laver les mains, se brosser les dents, se laver le visage, se laver les pieds, les bras, jusqu'aux coudes, le musulman trempe les mains et se les frotte, comme ça. Tout musulman le fait, en particulier pour la prière 5 fois par jour. Chaque fois qu'il fait al-oudou, il se trempe les mains après avoir tout lavé et se les frotte.
comme ceci, comme cela et comme ça. Comment dites-vous ? Massa. Vous voyez, nous disons Massa. Massa vient du mot hébreu Massa. 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 En arabe et en hébreu veut dire frotter, masser, oindre. Et celui qui subit ce rituel, on l'appelle Massa, Massi, c'est-à-dire celui à qui on fait cela. Les prêtres et les rois étaient oints ou frottés avec de l'huile sacrée ou de l'eau sacrée. Et on disait alors, vous êtes désormais notre prêtre ou notre imam, ou bien vous êtes désormais notre gouverneur. Vous saisissez, c'est comme la cérémonie du couronnement, vous avez la cérémonie de la toge, et maintenant vous avez le rituel de l'onction. C'est ça que ça veut dire, sacré par l'onction. Mais ça y est en grec, traduit en grec, c'est Christos. Christos, Christos veut dire sacré par l'onction. Puis, on a supprimé le os. Christos est un peu trop long. Il ne reste plus que Christ. Christ veut dire sacré par l'onction. Celui qui a subi le rituel de l'onction. Les prêtres et les rois étaient sacrés par l'onction. C'est de là que vient le titre de Jésus, que la bénédiction et la paix soient sur lui. Son nom, je le répète, n'était pas Jésus. Son nom était Yeshua, Isso, Isa. Voilà son vrai nom. Lorsqu'il naquit, sa mère ne lui a pas donné le nom de Jésus, parce que le mot Jésus n'existait pas en hébreu. J, la lettre J, n'y était pas. Il est Isus, Iso, Isa, Yeshua, traditionnellement Yeshua. Mais les Occidentaux avaient la mauvaise habitude, la manie d'ajouter Jés là où il n'y avait pas Jés. Ils étaient atteints de ce qu'on appelle la maladie du J. Ainsi, ils disaient Joseph au lieu de Youssef, Jacob au lieu de Yaakoub. Johanna, ils l'appelaient Jean. Là où il n'y a pas un J, ils en ajoutent un. Ils latinisaient les mots, comme s'il s'agissait d'une langue occidentale. C'est une maladie qui frappe pratiquement tous les peuples, mais plus particulièrement les chrétiens. Ils rajoutent Jés. Au lieu de Yahuwah, les témoins de Jéhovah disent Yahuwah. Ils ajoutent un J là où il n'y en a pas. Partout. Ils font du jaywalking en religion. Dans mon pays, on vous fait payer une amende pour jaywalking. Jaywalking, celui, signifie traverser la rue en dehors des passages pour piétons. Chez nous, il y a des passages pour piétons sur les grandes routes, et si vous traversez partout ailleurs, la police vous arrête et vous fait payer une amende pour jaywalking. Les chrétiens ont commis un jaywalking à propos des noms propres. Partout et sans exception. Alors, Jésus-Christ, à son second avènement, nous croyons à sa venue prochaine. Pourquoi faire ? L'évangile selon Matthieu nous apprend les raisons de ce second avènement. Beaucoup me diront en ce jour-là, quand il reviendra, le jour du second avènement, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom et chassé les démons en ton nom et accompli des prodiges en ton nom? N'avons-nous pas fait toutes ces choses-là en ton nom? Nous avons construit des hôpitaux, des écoles, des universités, nous avons pris soin du pauvre. N'avons-nous pas fait tout cela en ton nom? Et nous avons chassé les démons, nous avons guéri les malades, les aveugles et les lépreux. Ne l'avons-nous pas fait en ton nom? Jésus dit, et pourtant, à cela. Ces hommes, ces gens qui disent, nous avons accompli toutes ces œuvres en ton nom. Seigneur, Seigneur, nous l'avons fait en ton nom. Jésus dit, à cela je confesserai alors, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui avez agi au mépris de la justice. Dégarpissez et que je ne vous vois plus. Votre sac. Allez-vous-en, ordure, je ne vous ai jamais connu. Je demande aux chrétiens, pourquoi vous dira-t-il votre sac? C'est un mot de notre dialecte qui veut dire allez-vous-en. Pourquoi vous dira-t-il allez-vous-en hors de ma vue, alors que vous avez accompli toutes ces œuvres en son nom? Il ne dira pas aux hindous allez-vous-en votre sac, il ne dira pas aux musulmans allez-vous-en votre sac, il ne dira pas aux juifs allez-vous-en votre sac, mais il le dira aux chrétiens, à ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Je voudrais savoir pourquoi. Pourquoi vous dira-t-il votre sac? Dites-le-moi. Je n'ai pas de réponse à donner en public. Pourquoi vous dira-t-il à vous, non pas aux juifs, ni aux hindous, ni aux musulmans, mais à vous, ces fidèles, vous qui aurez fait ces miracles, vous faites tous ces miracles, et il vous dira, allez-vous-en. Il reviendra donc pour accomplir une certaine tâche,
Mais à son second avènement, à supposer qu'on le reconnaisse, qu'il est Jésus au second avènement, et vous allez l'appeler, vous allez crier « Jésus-Christ, Jésus-Christ ». Moi je dis qu'il ne vous regardera même pas, parce que de sa vie, il n'a jamais entendu le mot Jésus, il n'a jamais entendu le mot Christ, parce que ce sont des mots nouveaux que vous avez inventés. Issa, Issa, Yeshua, vous dites Jésus, il ne comprendra pas, il dira « Je ne sais pas qui vous appelez ». Ainsi, ils ont traduit le mot Messiah par Christ. Christ, un nom qu'il n'a jamais entendu. Pierre, son premier disciple. Vous savez, avant de s'en aller, il dit, « Pierre, fais paître mon troupeau, fais paître mes agneaux, fais paître mes petites brebis. » C'est-à-dire, prends soin des autres. Vous êtes le plus âgé, vous êtes le plus mûr, le mieux qualifié pour veiller sur les autres. Pierre, son nom était Simon. Simon, Pierre. Vous avez bien entendu ? Pierre. Un nom courant parmi les chrétiens. Vous savez, Pierre de sa vie n'a jamais entendu le mot Pierre. Ne le saviez-vous pas ? Son nom était Simon. Et Jésus, à un moment donné, vous savez, à cause de son opiniâtreté, il était très opiniâtre, militant, comme les Irlandais. Les Irlandais sont un peuple combatif, un peuple plein de fougue. Alors, il était comme cela parmi ses disciples. Le plus militant. Jésus décrit cette qualité en disant, « Simon, tu es Kifas, et sur cette pierre je bâtirai mon église. » Kifas, Kifas, en hébreu, veut dire rocher. Tu es comme un rocher, tu es Kifas. Kifas veut dire rocher ou pierre. Les chrétiens l'ont traduit par Petros. Petros en grec signifie rocher ou pierre. D'où le nom de Pierre. Pierre n'a jamais entendu le mot pierre. Croyez-moi, c'est comme cela. Je veux bien qu'on me dise, non, vous vous trompez, je veux bien qu'on me corrige, gens instruits, venez discuter avec moi. Je dis, de sa vie, Pierre n'a jamais entendu le mot Pierre. Il était Simon Kifos. Vous avez traduit Kifos en Petros. Kifos veut dire rocher ou pierre, Petros veut dire rocher ou pierre, de cela vous avez forgé le mot Pierre. Que s'est-il passé? C'est une sorte de maladie. Tous les peuples soumis cherchèrent à adapter la phonétique de votre nom à celle des peuples dominateurs. C'est le complexe d'infériorité dont nous souffrons tous. Mon propre peuple, en Afrique du Sud, souffre de la même maladie. Je ne sais rien sur vous ici, vous êtes expatriés, vous êtes tous nouveaux ici. Mais je sais que dans une communauté expatriée, comment se comporte une communauté étrangère à mesure que le temps passe. Nous avons Youssef, eh bien, nous allons l'appeler Jean. Nous avons Fatima. Nous allons l'appeler Tima. Ça fait occidental. Vous savez, Tima. Ici, on se dit Fatima, vous savez, c'est la fille de Mohamed. Khadija, c'est Dija. Ibrahim, c'est Ibrahim. Abraham. Non. Ceci est le complexe d'infériorité dont nous souffrons tous. Et les chrétiens n'étaient pas à l'abri de cette maladie. Et cela crée des problèmes. Vous traduisez les noms propres. Saul devient Paul. Voyez-vous, si vous êtes chrétien et vous appelez votre fils Saul, on va penser que vous êtes juif. Mais si vous changez Saul en Paul, on croira que c'est un nom grec ou romain. Vous comprenez? Yeshua sonne comme un nom juif à 100%, mais Jésus, vous le dénationalisez. Il est dénationalisé. Christ est dénationalisé. Messiah, c'est encore juif. Massi, c'est encore arabe. Alors, nous disons, écoutez, vous avez perdu un nom, Jésus-Christ. Selon le Coran, il dit, et lorsque Jésus, fils de Marie, dit, ô fils d'Israël, je suis le messager de Dieu auprès de vous. Je vais confirmer ce qui m'a précédé comme Torah. Et annoncer la venue d'un messager qui viendra après moi. Dont le nom est Ahmad, qui est un autre nom de Mohammed. Mohammed et Ahmad sont des termes synonymes pour ce tout-puissant envoyé de Dieu. Ahmad, c'est ce que le Coran nous dit. Mais les chrétiens disent, écoutez, ce n'est pas dans mon livre. Il n'y a rien de cela dans mon livre. Il n'y a ni Haman ni Mohammed.
alors vous n'avez d'autre choix que d'analyser ce qu'il y a dedans. Vous savez, dans l'évangile selon saint Jean, chapitre 16, il y a un verset où Jésus dit « Pourtant, je vous dis la vérité ». Jésus dit « Il est de votre intérêt que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le réconforteur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je l'enverrai. Et quand il viendra, il donnera au monde des preuves convaincantes au sujet du péché, de la justice et du jugement. Du péché parce qu'ils n'ont pas eu foi en moi, et ainsi de suite. Il dit, si je ne m'en vais pas, le réconforteur ne viendra pas vers vous. Nous disons que ce réconforteur est Mohammed. Que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui. Ils disent non, Jésus n'a pas cité Mohammed. Il a dit le réconforteur. Je demande, Jésus parlait-il le français? A-t-il dit réconforteur? Il dit non. Il parlait l'hébreu. C'est sa langue maternelle. Dans les autres langues, dans la langue arabe, le plus proche de l'hébreu, le même verset dit... On a employé le mot mouazi. Je dis, parlait-il l'arabe? On me dit non. Je dis, qu'a-t-il dit? En africain, ce mot est juster. Je dis, parlait-il l'africain? Il dit non. Qu'a-t-il dit? En zoulou, c'est un umto azizi. Je dis, parlait-il le zoulou, votre Jésus? Il dit non. Je dis, qu'a-t-il dit? Dans 2000 langues différentes, vous pouvez acheter la Bible aujourd'hui. 2000. Et dans 2000 langues différentes, il y a 2000 mots différents. Qu'a-t-il dit? A-t-il dit moisi? A-t-il dit réconforteur? A-t-il dit truster? A-t-il dit humtorozizi? Qu'a-t-il dit? Selon le Coran, il dit Ahmad, qui est un autre nom pour Mohammed. Mais du moment où on perd le terme, on perd également le nom. Il est inutile que j'enfonce la vérité et dire c'était Ahmed, un autre nom pour Mohammed. Non. Ce que nous devons faire maintenant, c'est raisonner. Nous devons tirer des déductions. Raisonner avec eux, nos frères et sœurs chrétiens. Raisonner avec eux. Je dis, écoutez, vous dites que c'est le réconforteur. Qui est le réconforteur? Le réconforteur est le Saint-Esprit. Ils disent le réconforteur est le Saint-Esprit. Puis, ils vous demandent, Mohammed est-il un esprit? Je dis non. Ils disent donc qu'il ne s'agit pas de Mohammed. Je demande quelle est la traduction grecque du mot esprit. Le mot grec, c'est pneuma. Pneuma veut dire esprit. Partout où ça vous arrange, vous traduisez ce mot P-N-U-M-A, pneuma, par esprit. Et quand ça vous convient, vous le traduisez par fantôme. Quand vous parlez d'esprit, ce mot s'adapte à Mohammed. Et lorsque vous dites fantôme, comme revenant, il est difficile de dire que Mohammed est un revenant. Mohammed n'était pas un revenant. Mohammed est la plus forte personnalité dans l'histoire. Voilà où réside la difficulté. Je vais vous expliquer ce qu'ils ont fait à ce mot. Mais ils disent saint fantôme. Mohammed n'est pas le saint fantôme. Ce terme fantôme n'existe même pas en grec. Et Jésus a posé la condition que si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alors si c'est le Saint-Esprit, nous disons, écoutez, le Saint-Esprit existait longtemps avant l'avènement de Jésus. Selon votre Bible, au premier chapitre de l'Évangile selon Luc, Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Que signifie cela? Je ne sais pas, mais j'ai eu affaire à lui avant la naissance de Jésus. Le Saint-Esprit était là. On nous dit également que le Saint-Esprit est apparu à Zacharie. Que signifie cela? Je ne sais pas. On lit aussi que Jean le Baptiste, Yahya, que la paix soit sur lui. Il l'appelle Jean, Yahya. Nous disons Yahya. Yahya, que la paix soit sur lui. Il a également reçu la visite du Saint-Esprit, alors qu'il était dans le ventre de sa mère, avant la naissance de Jésus. Le Saint-Esprit était avec lui dans le ventre de sa mère, à l'intérieur. Que faisait-il là? Je ne sais pas. Mais il était là, c'est la Bible qui le dit. Une fois qu'il était en train de prêcher et guérir les malades, Jésus dit, « Je fais ces choses par l'Esprit de Dieu. Je chasse les démons par le doigt de Dieu. » L'Esprit de Dieu est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a-t-il assisté dans son œuvre? Jésus dit oui. L'a-t-il aidé pour accomplir des miracles? Il dit oui. Le Saint-Esprit a-t-il aidé ses disciples?
Il dit oui. Lorsqu'ils sont partis dans le monde pour prêcher et guérir les malades, avec quelle aide prêchaient-ils et guérissaient-ils? Sinon avec celle du Saint-Esprit. Ainsi, le Saint-Esprit était avec Élisabeth, avec Zacharie, avec Jean le Baptiste dans le ventre de sa mère, avec Jésus, avec ses disciples. Il est donc absurde de dire, si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas, condition, mais si je m'en vais, je l'enverrai. S'agit-il d'autre chose que du Saint-Esprit? C'est simple, élémentaire. Maintenant, pourquoi peut-on dire que l'envoyé annoncé est Mohammed? Dans ce même chapitre où Jésus dit, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous ne possédez pas cette capacité. Mais quand arrivera celui-là, l'esprit de vérité, il vous guidera dans toute la vérité. Esprit de vérité. Qui est l'esprit de vérité? Demandez aux chrétiens. C'est le Saint-Esprit. Comment cela? Quand arrivera celui-là, l'esprit de vérité, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas par lui-même, mais il dira tout ce qu'il entend, et il vous annoncera les choses à venir. Celui-là me glorifiera. Alors, qui est l'esprit de vérité? Ils disent le Saint-Esprit. Je dis d'accord. Si c'est le Saint-Esprit, dites-nous alors quelles sont les nouvelles choses qu'il vous a dites depuis 2000 ans. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais avant de développer ce point, je vais relire ce même verset en mettant l'accent sur les pronoms. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand arrivera celui-là, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas par lui-même, mais il dira tout ce qu'il entend et il vous annoncera les choses à venir. Celui-là le glorifiera. 8 pronoms masculins dans un seul verset. Je dis, ça ne peut pas se rapporter à un esprit. Êtes-vous d'accord? C'est un homme, un homme, un homme. 8 fois. Il n'existe aucun autre verset dans toute la Bible avec 8 pronoms masculins ou 8 genres masculins ou 8 genres neutres. Il n'y en a pas. C'est un verset unique pour une personnalité unique, Mohammed. Un homme, un homme, un homme. Non pas un esprit ni un revenant. Mais il nous dit, c'est un esprit. Mohammed est un esprit. Je dis oui, c'est ce que la Bible dit. Mais le livre, le esprit dans la Bible, je me le ne désigne pas systématiquement le Saint-Esprit. Car dans le livre de la Révélation, le dernier livre de la Bible, on nous dit que 7 esprits de Dieu sont partis dans le monde. Je dis, croyez-vous en 7 Saint-Esprits? Il dit non, il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Je dis, on parle de cet esprit, il doit donc y avoir 7 Saint-Esprits. Non, l'esprit ne désigne pas à chaque fois le Saint-Esprit. Alors, dans Saint Jean, dans la première lettre de Jean, chapitre 5, verset 4, il est dit, bien-aimé, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez l'esprit pour voir s'il provient de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Donc un faux prophète est un faux esprit, et un prophète authentique est un esprit authentique. Saint Jean emploie le mot esprit pour prophète. Ne croyez pas tout esprit, n'ayez pas foi en tout prophète. L'esprit, dit-il, qui confesse que Jésus est le Christ, est un esprit envoyé par Dieu. Cela veut dire le prophète qui reconnaît que Jésus-Christ est le Christ, qu'il est le Messie, le Messiah, est un prophète envoyé par Dieu. C'est ce que dit Saint Jean, c'est ce que nous lisons. Pour savoir si cet esprit, ce prophète, Mohammed, dit que Jésus est le Christ, ouvrez la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 45. Elle dit, et lorsque les anges dirent ô Marie, Dieu t'annonce la bonne nouvelle de la prochaine venue d'une parole de lui. Son nom est le Messie, traduit par Christ. Mohammed a-t-il dit que c'est le Christ? Oui, c'est ce que croit tout musulman. Sur le témoignage du prophète Mohammed, 1 milliard de musulmans dans le monde croient que Jésus est le Christ. Il a dit, l'esprit qui confesse, le prophète qui dit que Jésus est le Christ, celui-là est envoyé par Dieu. Pourquoi n'appliquez-vous pas cela à Mohammed? Dans l'évangile selon Jean, il est dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Les esprits engendrent-ils? Cohabitent-ils?
Il dit non. Alors, peut-il naître d'un esprit? Non. Cela veut dire que celui qui a des tendances spirituelles est d'essence spirituelle. Celui qui a des tendances matérielles est chair. Qu'est-ce qui vous a amené ici ce soir? Est-ce un cadeau qui vous serait offert par Didate? Est-ce qu'il va vous donner quelque chose de délicieux? Quoi, du chocolat? Est-ce pour cela que vous êtes venu? Si c'est le cas, je vous donne ce que vous désirez, alors on estime que vous êtes enclin aux choses matérielles. Ce sont les choses matérielles qui vous ont amené ici ce soir. Vous êtes donc matérialiste. Dans le langage de la Bible, vous êtes chair. Vous êtes de chair. Matérialiste. Si ce sont des considérations, des motivations spirituelles qui vous ont poussé à venir ici, alors vous êtes spirituel, vous êtes esprit. Quoique vous n'êtes pas esprit. Vous êtes un corps solide de chair et d'os. Mais vous avez des penchants spirituels. Vous êtes spirituel. Selon le langage de la Bible, celui qui est né, c'est-à-dire ce qui vous a motivé, ce qui vous a donné naissance, s'il est esprit, spirituel, alors vous êtes esprit. Et si vous êtes de chair, alors vous êtes chair, matériel, vous êtes chair. Cela signifie que le mot esprit ne désigne pas systématiquement le Saint-Esprit. Donc, Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Alors cet esprit, ce Saint-Esprit, ce soi-disant Saint-Esprit, toutes les églises et toutes les confessions se réclament de lui. Tout le monde semble en communion, en communication avec lui. Vous appuyez sur un bouton et il est là. Vous demandez un témoin de Jéhovah, il vous dit oui, il vient à nous. Demandez aux catholiques, ils disent oui, il vient à nous. Demandez à frère Jimmy Swaggart, il dit la même chose. Tout le monde est entré en contact avec lui. Tous ces cultes qu'il mentionne dans ses ouvrages, parmi ses 30 ouvrages, il y en a un sur les cultes. Lisez-les, il dit, chaque fidèle prétend avoir eu contact avec l'Esprit. Qui? Le Saint-Esprit. Il est venu à tout le monde. Et ils s'en vont tous dans des directions différentes. Un seul Esprit qui les envoie dans des directions opposées? Qui provient de Dieu? Non. Comme le disait hier frère Swaggart, ou bien nous avons tous les deux raison, ou bien nous nous trompons tous les deux. Vous, tous les deux, vous pouvez avoir raison. Il existe un millier de sectes et de confessions chez les Blancs d'Afrique du Sud. Chez les Blancs et 3000 parmi les Noirs. Aux États-Unis, j'ai cru comprendre qu'il y avait 40 églises baptistes différentes. Chacun a eu son Saint-Esprit, l'Esprit. Et ils prennent tous des directions différentes. Ceci provient-il de Dieu? Peut-il être de Dieu? Tous allant dans des directions différentes, tous affirmant être baptistes et tous prétendant avoir communiqué avec le Saint-Esprit? Voilà pourquoi je dis, vous n'avez pas trouvé la solution. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, beaucoup. Beaucoup, c'est plus qu'un. Au moins, vous comprenez cela. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand arrivera celui-là, l'Esprit de vérité, il vous guidera dans toute la vérité. Toute. C'est aussi plus qu'un. Depuis 40 ans, je demande à mes frères chrétiens de me trouver une solution. Je ne veux pas plusieurs solutions, mais une seule. Celle que le Saint-Esprit vous a donnée. En 2000 ans, une seule, quelque chose que Jésus-Christ ne vous a pas encore dit en six différents mots. Une seule, qu'une église, une confession ou un culte ne trouve une seule chose nouvelle que le Saint-Esprit leur a apportée. Une seule me suffit. Je ne demande pas plusieurs. Jésus dit, vous ne pouvez pas les porter maintenant. La raison pour laquelle il n'a pas donné, pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas. Il avait la solution au problème de l'humanité jusqu'au jugement dernier. Dieu la lui a donnée, mais les hommes n'étaient pas aptes à la recevoir. C'est ce qu'il a dit. Il explique pourquoi. Vous ne pouvez pas les porter maintenant, veut dire, vous n'en avez pas la capacité. Le sens de cette parole revient comme un leitmotiv dans la Bible. Maintes fois, Jésus-Christ, il dit à ses disciples, « Homme de peu de foi, vous n'avez pas la foi, peu de foi. » Homme de peu de foi, homme de peu de foi. Il le dit maintes et maintes fois. Il leur explique, dites notre vérité, comme s'il s'adressait à des enfants. Et ils ne comprenaient pas de quoi il parlait. Alors il leur dit, vous n'avez pas encore compris? Encore? Et plus loin il dit, ô générations perverses et sans foi, voilà comment il interpelle ses disciples. Non pas les juifs, la génération des juifs, il les appelle, ô vous, génération de vipères, génération malfaisante et adultère, et ainsi de suite. Mais non, maintenant il décrit ses disciples, ses propres disciples, ses élus. Il dit, ô génération perverse et sans foi, combien de temps encore dois-je rester avec vous? Combien de temps dois-je encore rester avec vous?
Je dis que si Jésus était japonais et non juif, il aurait commis un harakiri, un suicide. Mais étant juif, il ne pouvait pas se le permettre. Vous savez, il aimait beaucoup la vie. Il aimait beaucoup la vie. Donc il dit, quand celui-là, l'esprit de vérité, arrivera, il vous guidera dans toute la vérité. J'ai dit que l'esprit de vérité, c'est Mohammed. Mohammed est le prophète. Le prophète qui a la foi et qui dit la vérité. Prophète qui a la foi, qui dit la vérité. Il est le prophète de la vérité. L'esprit de vérité est le prophète de la vérité. Mohammed, et il a guidé l'humanité dans toute la vérité. Tous vos problèmes, amenez-les. Père Soigarde, vous savez, oh, il a écrit des livres magnifiques. L'homosexualité, Sodome et Gomorre, la pornographie, l'alcool, des livres magnifiques. Je vous les recommande. Pas tous, mais ceux-là en particulier. Je vous les recommande. Lisez-les, vraiment. Mais ils n'apportent pas de solution. Voyez-vous, l'alcool. J'ai abordé ce sujet la nuit dernière, soit dit en passant. Il dit dans son livre, Alcool, il dit qu'il y a 11 millions d'ivrognes en Amérique. 11 millions d'ivrognes. Il dit, ce sont ses propres termes. Dans mon pays, on ne les appelle pas ivrognes, surtout les blancs. Vous ne pouvez pas les appeler ivrognes. Ils vous donnent un coup de poing sur la figure. Il faut les appeler alcooliques. Vous savez, ce sont des malades. Alors quand vous dites ivrogne, c'est très, très choquant, très fort. Ce n'est pas un ivrogne. Mais quand vous dites alcoolique, l'alcoolique, c'est quelqu'un de malade. Vous savez, il a besoin d'un traitement. 11 millions. C'est Frère Swogard qui le dit. Ivrogne en Amérique. Et 44 millions de grands buveurs. Et il me dit, il n'y a pas de différence entre les deux. Pour moi, c'est pareil. Que vous les appeliez ivrognes ou grands buveurs, pour moi, c'est pareil. Hein? Que Dieu soit loué. Voilà un frère qui parle comme un musulman. J'ai dit, écoutez, faites encore un pas. Pour résoudre vos problèmes, vous devez faire un pas de plus. J'ai dit, ajoutez les buveurs ordinaires à votre liste, parce que le prophète Mohammed n'a pas fait de distinction entre ces trois catégories. Voyez-vous, vous avez les ivrognes, vous avez les grands buveurs et vous avez les buveurs ordinaires. Le prophète Mohammed, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, a dit, ce qui rend ivre en grande quantité est interdit en petite quantité. Ni peu, ni trop. Fini. Interdit. Il a dit de grandes choses. Il a dit, malheur à celui qui cultive la vigne pour en faire du vin. Cultiver des arbres fruitiers en islam est un acte de vertu. Écoutez, Dieu vous récompensera. Si vous plantez des arbres fruitiers pour vendre leurs fruits ou pour les manger, Dieu vous bénira. Il vous récompensera. Il a dit, voyez-vous, si vous appreniez avec certitude que demain à midi la terre sera détruite, anéantie, que ce serait la fin du monde à midi demain, et vous aviez prévu de planter un arbre fruitier, aujourd'hui, que feriez-vous? L'arbre ne donne des fruits que dans 7 ans. 7 ans. Il a dit, plantez l'arbre. Dieu vous récompensera. Ce tout-puissant envoyé de Dieu a dit que si vous plantiez une vigne pour en faire du vin, non pour consommer ni vendre son raisin, mais pour en faire du vin, c'est comme ça chez moi au Cap, en Afrique du Sud, nous avons ce qu'on appelle un climat méditerranéen et les vignes poussent magnifiquement là-bas. C'est le meilleur pays de la région pour la viticulture. Et voilà que vous héritez une terre de 100 hectares, 200 acres. Qu'est-ce que je vais faire? Je dis, planter des vignes. Le vin, il dit, qui va l'acheter? Je dis, ne vous en faites pas. Il y a ici une fabrique de vin. Il y a une brasserie. Ils sont prêts à vous acheter toute votre production de raisins. Je dis, si vous faites cela, le prophète Mohammed dit, malheur à celui qui cultive la vigne pour en faire du vin. Malheur à celui qui le presse. Malheur à celui qui le met en bouteille. Malheur à celui qui le vend. Et malheur à celui qui le boit, dehors. Non, il n'y a rien de plus enivrant que cette boisson. C'est l'islam. Et la solution pour l'année là, abstinence totale, par révélation de Dieu. Parole de Dieu dans le Coran. Ô croyants, les boissons alcoolisées,
Et je le hasard. Dans son livre, les Américains dépensent 44 milliards de dollars par an dans les jeux. Gaspillage. 44 milliards de dollars. Les jeux de hasard, la divination et le tirage au sort sont un acte impur de ce fait, de ce que fait Satan. Évitez-le. Peut-être récolterez-vous le succès. Et les tonneaux de vin qui furent vidés dans les rues de Médine sont restés vides depuis. Ce seul verset donne naissance à la plus grande société de consommateurs de thé dans le monde. Ceux qui ne boivent pas d'alcool. La plus grande société du monde. Un seul mot, une seule expression. Frère Swaggart parle de... Il dit, on menace tout le temps le musulman de lui couper la tête, de lui couper les mains. Voilà pourquoi il ne boit pas. Si quelqu'un ne boit pas, c'est de peur qu'on lui coupe les mains, le doigt, le nez ou quelconque autre membre. Est-ce la raison? J'aimerais savoir. Vous, en Amérique, les musulmans, je sais, il y a des brebis égarées parmi nous, comme dans toute communauté. Vous ne pouvez pas dire que nous sommes tous des anges. Mais combien de musulmans sont-ils attirés par la bouteille? En Inde, au Pakistan, en Afrique du Sud, ma communauté, je me vante, dans mon pays. Peut-être est-ce le cas partout où vivent les musulmans. Je dis, nous les musulmans, nous avons le plus faible taux de consommateurs d'alcool dans le pays. Nous avons le plus faible taux de joueurs dans le pays. Nous avons le plus faible taux de prison dans le pays. Nous avons le plus faible taux de divorce dans le pays. Nous avons le plus faible taux de suicide dans le pays. Nous avons le plus haut taux de charité dans le pays. Voilà ce que l'islam a fait pour nous. Voilà, c'est l'islam. Personne ne m'a jamais menacé pour que je ne fume pas. Mon père fumait. Moi, je n'ai pas touché à la cigarette. Mes enfants ne fument pas. Pas une seule fois, je ne leur ai dit... Un de mes fils est là avec moi, l'autre, l'aîné, est en Afrique du Sud. Je ne leur ai jamais dit, ne fumez pas. Jamais. Pardon. Je vous demande pardon. Un ou deux de mes fils... De mes six frères fument. Ils fument. Mais dans ma famille, personne ne fume. De ma vie, je n'ai jamais touché à la cigarette. Personne ne m'a menacé. Mon père ne m'a pas dit de ne pas fumer. Je ne fume pas. Je ne joue pas. Je ne bois pas. Je ne cotise pas. Je ne danse pas. Personne ne m'a menacé en disant, écoutez, si vous faites cela, vous irez en prison. Ou si vous faites cela, on vous coupera la tête. Je ne sais pas si quelqu'un vous a dit, ne buvez pas, sinon on vous coupera la tête. Quelqu'un vous a-t-il dit ça ici? Quelqu'un vous surveille-t-il? Non. Je dis, en Amérique, une nation chrétienne, une grande puissance, la première puissance dans le monde, l'Amérique, vous avez instauré la prohibition dans les années 20. Qui l'a fait? C'était vos dirigeants, des hommes que vous avez portés démocratiquement au pouvoir, au Congrès ou au Parlement. Au Congrès, on a voté une loi. La prohibition qui interdit l'alcool dans le pays. Vous vous êtes rendu compte que l'alcool a causé un carnage dans la nation. Les malheurs, les victimes. Alors, le cerveau de la nation, les dirigeants que vous avez élus ont voté en votre nom. Ils ont voté une loi interdisant l'alcool. Aucun gouvernement arabe ne les a menacés. Aucun musulman ne les a menacés. Vous ont-ils dit, écoutez, si vous n'arrêtez pas de boire, nous cesserons de vous approvisionner en pétrole? Ils n'avaient pas de pétrole, ils n'en avaient pas. Les Arabes, ils n'avaient pas de pétrole pour vous faire du chantage. Ont-ils dit, écoutez, si vous n'arrêtez pas de boire, vous n'aurez plus de pétrole? Non, c'était votre nation, votre gouvernement, et vous qui aviez voté la loi. Et vous avez échoué, vous avez misérablement échoué. La plus puissante nation au monde, avec le soutien du gouvernement, le cerveau de la nation, votre machine de propagande et votre police. Tout a été mis en œuvre pour faire appliquer la prohibition. Et vous avez échoué. Ce puissant envoyé de Dieu dans un pays du désert avec une population barbare, il dit une parole et les tonneaux de vin furent vidés à jamais. Miracle! De quel miracle parlez-vous? Ça, c'est un miracle. Avec tous les miracles, vous ne pouvez rien faire. Vos problèmes s'accroîtront. Vous avez votre poignée, c'est une poignée. Vous dites naître de nouveau. Vous dites maintenant, nous avons l'esprit en nous et nous ne touchons plus à la bouteille. Je dis magnifique, chapeau, magnifique. Et toute personne qui témoigne, toute personne, sans exception, vous dira, j'étais ivrogne, je fumais de la marijuana, nous l'appelons dacha, ganja, je me droguais, j'étais intoxiqué par la drogue, j'étais dépravé, j'étais homosexuel, j'étais sodomite. Mais maintenant, je ne fais plus ces choses-là. Je dis, je vous félicite,
Félicitations. Mais je dis, voyez-vous, quelque chose vous a tiré de la fange, de la boue, de la crasse. Je vous félicite, mais je dis, le système qui ne vous laisse pas tomber dans la boue est quand même meilleur. Prévenir vaut toujours mieux que guérir. Et je ne suis pas en mesure de dire à ces 55 millions d'ivrognes, avec tous vos Saint-Esprit, vos orateurs et vos prédicateurs, pour guérir des milliers de malades, vous serez incapables de résoudre des problèmes. La solution, c'est l'abstinence totale. Et la seule religion au monde qui dit « ne touchez pas à cette pourriture », c'est l'islam. Frère Swaggart a écrit beaucoup de livres, mais il y en a un qui ne paraîtra pas. Un livre sur le surplus des femmes. C'est un grand problème en Amérique, un grand problème. Les statistiques le montrent. Je n'ai pas de chiffres sur le nombre d'hommes et de femmes ici. Vous me dites qu'il y a 7 800 000 femmes de plus que les hommes. Si tous les hommes en Amérique se mariaient, il y aurait plus d'époux pour les 7 800 000 femmes qui restent. Voilà un problème. Pourquoi ne vous y intéressez-vous pas? On a faim à New York. Votre voisin de palier, New York, on dit qu'il y a 1 000 000 de femmes de plus que les hommes. Si tous les hommes vivant à New York se mariaient, 1 000 000 de femmes à New York seulement ne pourraient plus trouver un époux. Quelle est la solution? Que vous a-t-il dit le Saint-Esprit? Sublimez vos passions, c'est ce que vous faites. N'avez-vous pas besoin d'une épouse? Une jolie épouse? Écoutez, hier, en plaisantant, je lui ai dit que l'islam m'autorise à épouser jusqu'à 4 femmes. J'ai dit jusqu'à 4, quoique j'ai une seule femme. Mais l'islam me permet jusqu'à 4. Alors il dit, voyez-vous, le christianisme ne me permet qu'une seule, et vous savez, j'ai choisi la meilleure. Chapeau, vraiment. Félicitations. Avant de venir ici, M. Didat, plaisantant avec moi et ma femme, disait que l'islam permet 4 épouses. Puis, rectifiant, ajouta jusqu'à 4 épouses. Je répondis, bien, M. Didat, le christianisme n'en autorise qu'une, et pour cela, je chasse la meilleure du premier coup. Il a résolu le problème d'une seule femme, mais il y en a 7 800 000. Et non seulement 7 800 000, à supposer que tous les hommes se marient. Vous avez les homosexuels à New York. Le tiers des hommes sont homosexuels, sodomites, le tiers. Si tous les hommes à New York se mariaient, 1 000 000 de femmes resteraient seules. Mais un tiers des hommes à New York sont homosexuels, sodomites. Vous savez, votre culture, votre civilisation a inventé des mots jolis. Prostitution est un joli mot pour désigner des choses sales, immondes. Tous ces pédérastes, homosexuels, sodomites, vous les appelez gays. La première fois que j'ai vu ce mot dans un journal, gay, je ne comprenais pas. C'est quoi ce gay? Parfois, je ne dis pas que j'ai l'esprit vif. Je ne suis pas très cultivé, comme la plupart d'entre vous. Voyez-vous, j'ai dépassé ce stade alimentaire d'éducation. J'ai tellement parlé, que j'en suis venu à parler tout seul. Académiquement parlant, vous êtes pour la plupart plus instruits que moi. Mais j'ai appris ce mot gay quand j'étais enfant, à l'école. Ils m'ont fait apprendre des poèmes à l'école, les professeurs, des poèmes. Un de ces poèmes dit... gay. On disait de quelqu'un, il est gay. Il est gay. C'est-à-dire, il est très jovial. Il soit homme ou femme. Cette femme est gay. Cet homme est gay. J'ai rien pensé. Et maintenant, on parle tout le temps de gay. C'est quoi un gay? On dirait quelque chose de suspect. La façon dont ils écrivent sur les gays. Maintenant, je sais que ça désigne un homosexuel. Vous employez un si joli mot dans un sens ignoble. Si je disais notre président est gay.
Il pourrait m'envoyer son poing dans la figure. Il me dirait, pour qui me prenez-vous? Où avez-vous déniché ce mot? Et alors je lui dirais, quand j'étais à l'école, on nous a appris de jolis mots que j'ai beaucoup aimés. Voilà, c'est tout. Dieu Tout-Puissant les a châtiés en leur envoyant le sida. Quel joli mot, sida, pour dire syndrome de déficience de l'immunité acquise. Ils emploient l'abréviation sida. Une maladie sale, immonde. Dieu Tout-Puissant vous a châtié. Voyez-vous, vous n'avez pas trouvé les solutions. L'islam apporte des solutions à vos problèmes. Épousez ce qui vous plaît comme femme, deux, trois ou quatre, mais si vous craignez d'être injuste, n'épousez qu'une. Il y a des hommes qui voudraient bien se charger d'une responsabilité supplémentaire et des femmes qui voudraient bien partager leur époux. Mais votre loi ne le permet pas. Ils voudraient bien. Vous faites une douzaine d'enfants illégitimes chaque année, cela ne vous gêne pas. Vous êtes un étalon. Si vous êtes un étalon, vous serez appelé étalon. Mais si vous aimez, si vous prenez soin de ces femmes et de leurs enfants, je suis disposé à être responsable, alors on vous dit non, on vous mettra en prison. Vous pouvez jeter votre gourme comme ça bon vous semble, mais ne vous mariez pas. L'homosexualité masculine, légalisée. L'homosexualité féminine, légalisée. Mais quand il s'agit de mariage légal, naturel, la polygamie est naturelle, vous dites pas question, allez en prison. Je dis que ceci est la solution à vos problèmes. Vous ne voulez pas entendre raison, et vous voilà dans le pétrin. Voyez-vous, juste après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, j'ai lu une information dans un journal local. Elle vient de Londres. Nous avons des relations étroites avec l'Angleterre, car nous sommes un pays anglophobe. L'Afrique du Sud était une colonie britannique, alors nous avons des relations étroites. Beaucoup d'informations nous proviennent de là-bas. Des informations d'Allemagne ou ailleurs, mais surtout de Londres. Un petit titre attira mon attention, un tout petit titre. Il dit, 5000 inadaptés vont être envoyés en Amérique. Et vous savez, l'esprit humain est très imaginatif. En lisant cela, une image mentale se crée dans ma tête. Et j'ai pensé que ces inadaptés étaient estropiés ou souffraient d'un bec de lièvre ou d'un pied bot. Vous savez, les Anglais, à mon avis, ne sont pas aussi avancés que les Américains en médecine. Alors, je me suis dit, ils les envoient sûrement pour traitement. Vous savez, le bec de lièvre et le pied bot, ils les envoient pour traitement. Voilà ce que j'ai immédiatement pensé de ces 5000 qu'on s'apprêtait à envoyer. Et en lisant les détails, j'apprends que ces 5000 inadaptés étaient les enfants, à cette époque, disait-on, de soldats stationnés en Angleterre pendant la guerre. Ils disaient des soldats nègres. Je ne voudrais pas offenser mes frères afro-américains ni mes frères noirs, mais c'est ce qui était écrit dans le journal. 5000 enfants de soldats nègres stationnés en Angleterre pendant la guerre. Alors je pose la question. C'était sur la côte ouest de l'Angleterre. Combien de soldats noirs se trouvaient là? Sans compter les blancs australiens, les blancs néo-zélandais, les blancs sud-africains, les blancs canadiens, les blancs américains, les blancs de la France libre, les blancs polonais et les soldats anglais. À part tout cela, combien de soldats noirs y avait-il là? Insignifiant. Les soldats recevaient une instruction avant leur départ, on leur demandait d'utiliser des préservatifs, vous savez, contrôle des naissances, attention, ne pas attraper des maladies vénériennes, la bienorée. Mais nous savons que certaines flèches ne touchent pas le but et que les vœux ne sont pas tous exaucés. Combien de dégâts l'Angleterre chrétienne a-t-elle dû subir pour produire ces 5000 inadaptés? Combien? Vous imaginez? Ces enfants, issus de nos frères noirs, étant trop noirs pour pouvoir s'intégrer dans la société anglaise? Voyez-vous, si votre sœur amène un tel môme à la maison, et le môme garçon ou fille grandit avec des cheveux frisés, un petit nez aplati et de petites hautes pommettes, tout le monde lui dira, c'est quoi ça? C'est l'enfant de ma sœur Marie. C'est quoi ça? C'est l'enfant de ma sœur Marie. Qu'en pensez-vous? L'enfant de votre sœur Marie. Comment ça se fait-il? Vous savez, nous sommes blancs, caucasiens. Votre mère est blanche, votre père est blanc, tout le monde est blanc. D'où vient celui-là? Vous dites, oh, un ami noir, ma sœur a dû sortir avec lui, vous savez, et ils ont fait ça. Oh, c'est un fait. Et ils se sont dit, écoutez, on va les envoyer en Amérique, où ils pourront s'intégrer dans la société noire. Alors, ils les envoyèrent en Amérique. Je n'ai pas noté les noms, vous savez. Un de ces 5000 pourrait être à l'heure actuelle un dirigeant américain. On ne sait jamais.
En Angleterre, il y a 4 millions de femmes de plus que les hommes. 4 millions de plus que les hommes. Rien que sur la côte Est, il y a 1 600 000 femmes de plus que les hommes. Sur la côte Est de l'Angleterre. Que feriez-vous d'elles? Vous les laissez mariner? Vous les envoyez au Tibet? Ils n'ont pas assez d'hommes? Vous les envoyez là-bas? Dites-moi. Je dis non. Il y a un certain type d'homme qui voudrait bien se charger d'une responsabilité supplémentaire. J'ai vu cela à votre télévision ici. J'étais au Canada et de l'autre côté de la frontière, de Buffalo ou ailleurs, il y avait un programme qu'on diffusait un peu partout, y compris au Canada. À l'hôtel, j'ai allumé la télé et j'ai vu une émission sur la polygamie. Il y avait là un homme, il disait « j'ai eu 8 femmes ». C'était un ex-mormon. Il fut excommunié. Dans le passé, les mormons autorisaient la polygamie. Une polygamie sans limite. Joseph Smith et Brigham Young avaient plusieurs femmes. Mais maintenant, à cause des pressions exercées par les autres communautés, vous les mormons, combien de femmes vous avez? Vous les mormons? Et ils donnaient des chiffres étonnants sur la situation actuelle. 20 000 mormons furent excommuniés parce qu'ils avaient plus d'une femme. Ils avaient plusieurs femmes. Ils ne pouvaient pas les enregistrer. Mais ils avaient plus d'une femme, 20 000 mormons. Cet homme disait, j'ai 8 femmes et elles sont toutes heureuses avec moi. Aucune d'elles n'avait été mariée, aucune d'elles. Elles n'étaient pas vierges, mais elles n'avaient pas été mariées. Et alors, du public, c'était transmis en direct, vous savez, une femme d'âge moyen, jolie, rondelette, se lève et dit, alors, que dites-vous de moi? Il répond, vous aussi, donnez-moi votre adresse et je vous recontacterai. Vous voyez, demandez à toutes ces femmes qui n'ont pas trouvé de mari. Ils seront environ 20 millions sur le marché du mariage. 20 millions sur le marché du mariage au moins, à la recherche d'un mari. Et elles chassent les hommes à New York. Je veux dire, elles chassent les hommes. Et les hommes deviennent timides et homosexuels. Avant de venir ici, j'ai quitté, je pense, le 16 novembre. Non, octobre. Octobre. Pakistan, Dubaï, Abu Dhabi, Chaga, Al Ain et enfin ici. Et j'ai parlé à mes coreligionnaires, là où je suis passé. Je leur ai dit, vous êtes vraiment idiots. Vous allez à Bombay, vous allez à Beyrouth, vous allez à Londres. Pourquoi faire? Allez à New York. Aidez-les à résoudre leurs problèmes. J'ai dit 4 d'un seul coup. Vous devez ramener 4 d'un seul coup. Votre pays est peuplé. Peu peuplé. Un pays vaste et étendu et pas assez de population. L'Arabie Saoudite, avec son immense superficie, ne compte que 6 à 8 millions d'habitants. J'ai dit, allez les chercher, 4 à 4, d'un seul coup, et multipliez l'Oumma et Allah vous bénira. Vous savez, vous serez heureux, vous résoudrez le problème des Américains, et vous résoudrez votre propre problème. Accroître l'Oumma, si vous pouvez, devenez nombreux et soyez féconds. J'aimerais que frère Swaggart écrive un livre. Ses frères qui sont ici, voilà le problème, un problème très grave. Vos frères et sœurs, mes frères et sœurs, ils sont tous mes frères et sœurs. Je les aime aussi et je pense à eux. Par Dieu, je pense à eux. Ils gâchent littéralement leur vie. Ils gâchent littéralement leur vie. Avez-vous lu le livre de Dr. Chimsey, La vie de la femme américaine, édité ici, dans votre pays? La vie de la femme américaine par Dr. Chimsey. La vie de la femme américaine est pareille à celle de la femme anglaise, de la femme française, de la femme allemande. Pareil. Elles gâchent littéralement leur vie. Je dis, l'islam apporte la solution. Si vous n'adoptez pas, vous ne pourrez pas vous en sortir. Vous êtes dans un enfer et vous allez y rester avec vos ivrognes, vos homosexuels, vos excellentes femmes. Vous n'avez pas d'autre issue que d'embrasser l'islam. L'islam vous offre une solution. Jésus-Christ dit, il vous guidera dans toute la vérité. Toute la vérité. Tous vos problèmes, amenez-les. L'islam a la réponse à tous vos problèmes. Vous n'avez pas trouvé la réponse et vous ne la trouverez jamais. Vous prescrivez un remède pour l'alcool. Frère Swaggart dit, je n'ai jamais bu de l'alcool. Je le crois. Il n'a jamais bu de la bière, jamais fumé, il n'a jamais bu de l'alcool. Chapeau. Dans un tel environnement, je dis, vous êtes vraiment un ange. Dans cet environnement, vous n'avez pas touché la cigarette? Vous n'avez pas touché à la bière, vous n'avez touché à aucune boisson alcoolisée. Je dis que vous êtes un ange. Mais la solution à votre problème, vous ne l'avez pas trouvée. Voyez, vos prédicateurs, vos prêcheurs, votre soi-disant nouvelle naissance du chrétien. C'est dans son livre, le prédicateur. Il dit,
que les prédicateurs, vous savez, l'alcool. À une réunion des évangélistes, des prédicateurs, des prêcheurs enragés, des campeurs de la Bible, on demanda à l'assistance, quelqu'un suggéra, écoutez, ceux parmi vous qui sont franchement opposés à l'alcool, à la consommation d'alcool, sont priés de se lever. Personne ne se leva. Ils veulent tous boire. Savez-vous pourquoi? Jimmy, frère Jimmy, dit dans son livre que la raison, que c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ changea l'eau en vin. Si cela était bon pour lui et pour ses disciples, il devrait être bon pour nous également. La logique est impeccable. Et ils vous disent que ce vin, frère Jimmy croit que c'est simplement un jus de raisin. Je dis, frère, vous ne lisez pas comme il faut. Voyez-vous, à la fin du festin, vers la fin, quand il n'y avait plus de vin, la mère de Jésus lui demande d'aider les gens, de résoudre le problème. Vous savez, elle sait qu'il détient un pouvoir mystérieux. Il lui répond, femme, il parle à sa mère, femme, qu'ai-je à faire avec toi? Mon heure n'est pas encore venue. Est-ce comme ça que vous appelez votre mère? Femme, ce même mot qu'il employa pour une prostituée. Il dit, femme, qu'ai-je à faire avec toi? Pour une prostituée, il emploie le mot femme. Sa mère, il appelle femme. Il ne l'a jamais appelée mère. D'après les Écritures, il ne l'a jamais appelée mère. Femme, femme. Il dit femme, je ne le crois pas. Mais c'est ce que les Écritures disent. Femme, qu'ai-je à faire avec toi? Mon heure n'est pas encore venue. Et quand enfin il se laisse convaincre, il dit, remplissez d'eau les jarres et il change l'eau en vin. Et depuis, le vin coule comme l'eau dans la chrétienté. Mais ce vin, le vin de la Bible, ils ont passé toute la nuit à en boire. Ils disent, pourquoi as-tu gardé l'excellent vin jusqu'à présent? Pourquoi? En d'autres termes, il doit être très fort, un vin puissant. Si vous picolez, les ivrognes vous le diront, si vous picolez toute la nuit, vos sens s'émoussent. Vous avez besoin d'un alcool de plus en plus fort, un alcool de plus en plus fort pour sentir que vous buvez quelque chose. Cette personne, après avoir passé toute la nuit à boire, si vous lui donnez du jus de raisin, c'est pour lui comme de l'eau boueuse. Ainsi, quand le directeur du festin dit « Pourquoi as-tu gardé l'excellence jusqu'à présent ?», on comprend que ce vin doit être très fort et très puissant. Est-ce le même V-I-N, vin, qui fait résonner les prédicateurs? En grec, c'est le vin que Lot but quand il coucha avec ses filles. Le même vin en grec, celui que Lot but. Le même vin que Jésus obtint en changeant l'eau en vin. C'est un prétexte. La seule religion qui dit « N'y touchez pas », c'est l'islam. Vous obéissez à ce commandement d'Allah et la solution est là. Si vous obéissez, vous êtes intelligent. Votre intelligence vous sert à quelque chose maintenant. Votre prédicateur dit, à propos de prédicateur, Frère Swagard dit qu'il est allé une fois à la banque. Il n'y va pas souvent, mais il est allé à une certaine banque. Le directeur de la banque lui dit, savez-vous, qui sont les plus mauvais payeurs? Il demandait cela à Jimmy. Il répond, non. Le directeur dit, ce sont les prédicateurs, les peintres et les prostituées. 3 P, 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 P. Dit le banquier. Et Jimmy dit, c'est vrai. C'est vrai, je ne le savais pas pour les peintres et les prostituées, mais c'est vrai pour les prédicateurs. C'est son témoignage. Je dis alors, ce sont ceux-là qui ont connu une nouvelle naissance, ceux qui ont l'esprit en eux. Ils disent que l'esprit les transforme. Quand vous discutez avec eux, ils vous disent, c'est l'esprit qui nous le dit, c'est l'esprit qui nous dit qu'il communique directement avec Dieu. Dieu lui parle et lui dit, mon fils, mon fils. Dieu a parlé à mon cœur et m'a dit, dites à cet éminent monsieur. Quand vous discutez avec eux, ils vous disent, l'esprit nous a dit ceci, l'esprit nous a dit cela, l'esprit est en communication directe avec Dieu. Dieu lui parle et lui dit, mon fils, mon fils. Alors que Dieu n'a même pas parlé à son propre fils Jésus. Il ne l'a jamais appelé fils, il l'a parlé de son propre fils à la troisième personne, son propre fils. Mais quand il s'agit de n'importe quel homme, de tout le monde, de tous ces gens, alors, ils disent que Dieu leur parle. Vous savez, si j'avais l'occasion, je leur demanderais, dans quelle langue? Dans quelle langue Dieu vous a-t-il parlé? En anglais? Quelle langue? En hébreu? En grec? Il vous a appelé mon fils? Il vous a dit mon fils? Mon fils? Il répond, écoutez, je ne peux pas vous le dire. Dieu a dit que je ne pouvais pas le dire. Je demande, pourquoi ne peut-il pas vous le dire? Ne connaît-il pas la réponse? Ou bien n'étiez-vous pas là, la personne convenable? Pourquoi ne pouvait-il pas vous le dire? Vous me posez une question, eh bien, ou je suis ignorant, je ne peux pas vous donner une réponse, ou bien je vous dis, non, je ne peux pas vous le dire maintenant, je le ferai en sortant. Il doit y avoir une raison.
Dites à monsieur Didat, m'a-t-il dit. Mais quand il s'agit de n'importe quel homme, de tout le monde, de tous ces gens, alors ils disent que Dieu leur parle. Vous savez, si j'avais l'occasion, je demanderais dans quelle langue? Dans quelle langue Dieu vous a-t-il parlé? En anglais? Quelle langue? En hébreu? En grec? Il vous a appelé mon fils? Et ce quelqu'un répétait de nouveau, mon fils, et il me répond, écoutez, je ne peux pas vous le dire. Dieu a dit que je ne pouvais pas vous le dire. Je demande, pourquoi ne pouvait-il pas vous le dire? Il n'avait pas la réponse. Vous me posez une question, et ou bien je suis ignorant, je ne peux pas vous donner une réponse, ou bien je vous dis, non, je ne peux pas vous dire maintenant, je le ferai en sortant. Il doit y avoir une raison. Mais les liens de parenté, renaître, il y a 75 millions de chrétiens qui sont nés de nouveau en Amérique, d'après Billy Graham dans son livre « Comment renaître ». 75 millions veut dire que le tiers des Américains sont angéliques. L'Esprit de Dieu est venu sur eux, sans parler des prédicateurs. Et Jésus dit « Un peu de levain fait fermenter la masse ». Vous avez besoin d'un peu de levain pour fermenter toute la masse. Si vous avez un tiers de levain dans votre pain, et si ce tiers ne fermente pas la masse, alors je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre levain. C'est de levain que vous parlez. La Bible parle du prophète de l'islam. J'ai écrit un livre dans lequel je développe le verset du prologue. Lisez ce livre, son titre est « Ce que la Bible dit de Mohammed ». Que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur vous. Plein de détails. Je donne 15 preuves pour démontrer que cette prophétie, je cite la Bible, des citations de la Bible, ne se rapporte pas à Jésus, mais à Mohammed. Je vous demande de lire ce livre. Achetez-le, lisez-le, apprenez le verset. Vous ne le faites pas? Vous êtes ici pour vous amuser? Je sais que vous aimez le divertissement. Tout vous divertit. Alors vous êtes venu ce soir pour voir un nouvel amuseur. Non, lisez-le pour vous-même. Dans cet environnement, vous pouvez changer les gens. Voilà, et je vous le dis, c'est la vocation de l'islam, de changer ce pays. Vous l'avez. Allah nous l'a octroyé. Il vous le dit dans le Coran. Il vous a donné hadin, c'est-à-dire pour qu'il le fasse prévaloir sur toute autre religion, tout autre mode de vie, qu'il soit juif, hindou, bouddhiste, chrétien, communiste et tous les istes. L'islam est destiné à les dominer tous. Que les mécréants le veuillent ou non, ils répètent de nouveau la même formule dans le Coran et terminent en disant que les associateurs se veuillent ou non, c'est la destinée de sa religion. Cette formule revient 3 autres fois dans le Coran. Il est celui qui a dépêché, envoyé avec la bonne parole et la religion de la vérité, pour qu'il la fasse prévaloir sur toute autre religion. Allah est témoin du fait que sa religion triomphera avec ou sans vous. Mais nous les hommes, aussi bien vous que moi, Allah nous donne cette occasion de servir sa religion. Faites ce que Dieu vous ordonne et vous serez récompensé comme le prophète. Allah vous a donné des réponses, des solutions aux problèmes. Aidez-les et en les aidant, vous vous aidez vous-même. Changez-les et vous changerez le monde. Nous avons une tradition, jusqu'à la fin des temps, le soleil se lèvera à l'ouest. Le soleil se lèvera à l'ouest. Mais comment comprenez-vous cela, le soleil? Nous le savons, ne se lève pas à l'est et ne se couche à l'ouest. C'est une simple illusion. Nous savons que la Terre tourne autour de son axe, et en tournant ainsi, elle donne l'impression que le soleil se lève et que le soleil se couche. Mais le soleil ne se lève pas et le soleil ne se couche pas. C'est une illusion créée par la rotation de la Terre autour de son axe. Pour que le soleil puisse se lever à l'ouest, comme nous le voyons, la Terre doit s'immobiliser puis tourner dans le sens inverse. C'est le seul moyen pour que le soleil puisse se lever à l'ouest. S'immobiliser. Elle tourne à 1000 miles par heure en ce moment, même comme vous le savez. Et alors, elle va s'immobiliser, actionner les freins, puis tourner dans l'autre sens. Vous ne serez pas là pour jouir du spectacle, vous ne le verrez pas. Voilà, tout disparaîtra dans les océans. Lorsqu'Allah actionnera les freins, les océans emporteront tout, il ne restera plus rien. Le sommet le plus haut sera englouti par les flots. Alors, je ne trouve pas drôle que le soleil se lève à l'ouest. Non, c'est le soleil de l'islam, la vérité de l'islam, la vérité de Dieu qui se lèveront à l'ouest. Cette nation a faim, elle se nourrit de n'importe quoi. Tout réussit ici. On adore Sun Yung Moon.
on adore Guru Mahan, Swami Farupada, on adore Maharishi, on adore le Père Divin. On l'adorait, il est mort. Le Père Divin, vous avez aussi les adorateurs de Satan. Tout et n'importe quoi, la nation a faim. Elle est frustrée, elle est désemparée. Ils voient cette abondance de nourriture, ils ne savent pas quoi faire. Je dis que vous avez quelque chose qui cloche. Tout ce qui leur tombe sous la main, ils s'en emparent. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Je dis que vous avez quelque chose qui cloche, vous les musulmans. Vous êtes 2 millions ici. Tous comme des hommes castrés, voilà. Vous avez contracté un complexe d'infériorité. Plus d'imagination dans ce pays, le pays le plus développé au monde, civilisé, avec toute cette technologie. Vous vous comportez comme des hommes mous, voilà. Des musulmans mous. Je parle en particulier de ceux qui sont venus de l'Est, qu'ils soient arabes, pakistanais, bangladeshiens ou indonésiens. Tous des hommes mous. Qu'est-ce que vous m'avez fait lorsque je suis venu ici en 77? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant? Je ne vois que des hommes mous, des hommes castrés, des hommes châtrés. Vous n'avez pas d'esprit, pas de volonté, pas d'énergie, pas d'enthousiasme militant. Je suis venu ici en 77 pour donner des conférences et j'ai téléphoné de New York à un centre musulman qui se trouve plus à l'ouest, une communauté musulmane. Je dis j'arrive. Il me demande quel sera le sujet de votre conférence. Le sujet? Je dis que la Bible dit de Mohammed. Il dit c'est un très bon sujet pour commencer. Très facile de commencer par la théologie comparative. Ce livre, ce sujet, je dis d'accord. J'arrive à l'heure et à la date prévue. Avez-vous fait de la publicité? Ils m'ont donné une brochure, pas comme celle-là, mais un petit tract. Comment l'appelez-vous? Flyer. Il y est écrit « Un prophète dans la Bible ». Ahmed Didat parlera d'un prophète dans la Bible. Je dis « Ne comprenez-vous pas l'anglais, vous, des étudiants d'université, vous, idiots ?» Un prophète? Je dis, c'est quoi un prophète? Savez-vous ce que signifie un? Vous ne savez pas? Cela signifie n'importe quel prophète. Un signifie n'importe lequel. C'est un article indéfini. Cela signifie n'importe quel prophète dans la Bible. Il y en a là 75. Et c'est n'importe lequel parmi eux. Êtes-vous intéressé par un quelconque prophète de la Bible? Les chrétiens sont-ils intéressés par un quelconque prophète de la Bible? Les juifs sont-ils intéressés par un quelconque prophète de la Bible? Non. Votre complexe d'infériorité, je dis, quoi, la Bible? Vous êtes même trop terrifié pour écrire ces mots. Un autre groupe, je leur dis Mohamed, le plus grand. Quand je suis allé là-bas, ils avaient mis Mohamed le grand. Ils ont placé mon prophète au même rang qu'Alfred le grand. Celui qui a été brûlé vif, ou Alexandre le grand le païen. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous êtes malade? Castré, vous tous? Je ne sais pas, mais Allah, dans sa miséricorde, dit, il dit, ne désespérez pas. Ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Je ne serais pas musulman si je désespérais. Vous avez quelque chose qui cloche. Vous ferez mieux de vous réveiller, voilà. C'est une occasion que Dieu vous donne en ce temps. Dans cette époque dominée par la technologie, Allah vous a envoyé ici pour des raisons mieux connues que vous. Pourquoi êtes-vous ici? Mais quelle occasion? Les chrétiens se délectent quand ils vous voient arriver. Regardez, vous, expatriés, vous venez ici. C'est un homme, c'est une bonne proie, une proie facile. Proie facile. Vous êtes une proie facile. Ils ne sont pas obligés d'aller en Malaisie, en Indonésie, au Bangladesh pour prêcher. Ils peuvent prêcher tout en restant chez eux. Ils peuvent coucher avec votre femme et vos enfants et ils peuvent vous prêcher. La langue, ils n'ont pas besoin d'apprendre votre langue. Vous avez appris la leur. Culturellement, vous êtes occidentalisé. Vous avez le même fauteuil et la même chaise qu'eux, la même table à manger, les mêmes chaises. Ils ne sont pas assis par terre sur un tapis, les yeux irrités par la fumée provenant de la cuisine. Non. À tout point de vue, ils ont le sentiment que Dieu vous les a envoyés. Je dis, oui, vous êtes aussi envoyés par Dieu pour accomplir une tâche. Changez-les! Un peuple susceptible d'adorer tout et n'importe quoi. Pourquoi n'accepterait-il pas Allah? Pourquoi ne le ferait-il pas? La raison est que vous n'osez pas ouvrir la bouche. Vous êtes trop terrifié. Vous souffrez littéralement d'un complexe d'infériorité. Arrachez-vous à leur influence. Ouvrez le Coran, lisez le Coran et laissez Allah vous parler. Allah le fera pour vous. Laissez son livre vous toucher, touchez votre cœur. Et Inch'Allah, laissez Allah vous parler. Et il vous parle dans le Coran. Il nous parle tous, à vous, à moi, à toute personne dans la rue. Laissez-le vous parler et vous ne resterez plus jamais sur votre séant à rien faire. Vous attendez que d'autres viennent semer la pagaille chez vous, vous utilisez comme un sac de sable, comme un paillasson, vous mettre des idées dans la tête. Est-ce là la règle? Allah dit non. Et même si Allah est témoin de cela,
il fera triompher sa religion. C'est un privilège qu'Allah vous accorde, saisissez-le. Merci, Monsieur Didat, pour ce discours. La première question est la suivante. La société occidentale invoque souvent l'infériorité et l'oppression de la femme musulmane. Quel est le véritable statut de la femme musulmane dans l'islam? Dans l'islam, l'homme a ses droits et la femme a ses droits. Le Coran dit, c'est-à-dire l'homme est supérieur d'un degré à la femme, car c'est lui le soutien de la famille. Voyez-vous, il y a une obligation supplémentaire mise à la charge d'un homme, naturellement son pouvoir sera accru. En d'autres termes, dans aucune société, dans la société occidentale, si un homme abandonne sa femme, on l'oblige à lui payer une pension alimentaire. Mais dans le cas inverse, on n'oblige pas la femme à payer une pension alimentaire à la famille. C'est donc une chose naturelle, parce que c'est l'homme qui subvient aux besoins de la famille. Il est le responsable. Voilà pourquoi il est supérieur d'un degré à la femme. S'il n'existe pas d'égalité absolue entre l'homme et la femme, mais c'est la femme, en fait, qui dirige le foyer. Vous savez, comme l'a dit cet homme, la femme est capable de tout, car elle gouverne ceux qui gouvernent tout. Et c'est un fait, que ce soit dans un foyer occidental ou dans un foyer oriental, un foyer musulman, c'est la femme, si elle sait comment s'y prendre. Vous savez, Shakespeare dit, elle s'incline pour conquérir. Quand elle se montre docile, et dit, chérie, qu'en dis-tu? Le mari se tourne vers elle et répond, écoute, quoi que tu dises, tu sais très bien où on va aller, San Francisco, New York, quoi que tu dises. Il est prêt à abandonner. En d'autres termes, la décision est laissée à la femme. Veut-elle rivaliser avec l'homme? Vous voyez que lorsque cette rivalité existe, elle crée des tas de problèmes. Si vous faites la même chose, vous aurez les mêmes problèmes. Donc, dans l'islam, les deux possèdent des droits. L'homme a ses droits et la femme a ses droits, mais ils ne sont pas tout à fait égaux. Nous sommes tous égaux devant Dieu, mais en raison des impératifs sociaux, il y a, comme par exemple, vous savez, le divorce, il y a par exemple, l'homme peut avoir 4 femmes, mais la femme ne peut pas épouser 4 hommes. Vous voulez l'égalité? Que la femme puisse avoir 4 époux. Bon, vous n'avez qu'à essayer, et vous me direz des nouvelles. Monsieur Didat, vous avez parlé des Noirs et du racisme. Pourriez-vous nous exposer la solution de l'islam à ce problème, le problème du racisme? Vous avez, Allah dit dans le Coran, ô humain, il interpelle tous les humains et non seulement les musulmans. Nous vous avons créé à partir d'un homme et d'une femme. Et nous vous avons répartis en peuples et tribus pour que vous fassiez connaissance les uns des autres. Non pour que vous vous discriminiez et vous vous exploitiez les uns les autres. En vérité, le plus noble d'entre vous, aux yeux de Dieu, celui qui le craint le plus, voilà le critère établi par Allah, critère de jugement. Non pas la race, la langue, la couleur ou la richesse, mais le comportement. Et non seulement en théorie, l'islam a des procédés pratiques pour faire appliquer ce précepte. Tout le monde parle de la paternité de Dieu et de la fraternité des hommes. Le chrétien vous dit ça, le juif vous dit ça, le musulman vous dit ça, qu'il y a un Seigneur unique et que nous sommes tous ses créatures. Oui, paternité de Dieu et fraternité des hommes. Mais comment faites-vous pour réaliser cette fraternité? Pas de système. L'islam a un système. 5 fois par jour, ça met les hommes en contact, épaule contre épaule, le noir et le blanc, le riche et le pauvre, l'africain et l'indien, l'arabe et le malaisien. Tout le monde, épaule contre épaule, utilisant les mêmes robinets, utilisant les mêmes serviettes, épaule contre épaule, sans intervalle entre eux. Un homme, puis un autre, dans notre façon de prier, à Salat, pour que le démon ne puisse pas s'insinuer entre vous et votre frère.
Ce démon ne ressemble pas à celui qu'on voit dans les galeries d'art, vous savez, avec des cornes, des oreilles pointues, une queue avec une fourche dentelée, un teint coloré. Non, ce n'est pas ce démon-là. Le prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, dit qu'il ne faut pas laisser une brèche entre un croyant et un autre pour que le démon ne puisse pas s'insinuer entre vous et votre frère. Le démon dont il parle est celui de la discrimination. Je suis blanc, il est noir. Je suis riche, il est pauvre. Il ne faut pas permettre à ce démon de s'insinuer entre vous et lui, car s'il le fait, et vous dites « je veux me mettre à distance parce qu'il est noir et je suis indien, je suis arabe, il est égyrien », non, pas comme ça. Épaule contre épaule, pas d'intervalle, en d'autres termes, un système pratique. Puis, si vous le pouvez, une fois dans votre vie, accomplissez le pèlerinage, sur une plus grande échelle, dans votre milieu social, vendredi, la mosquée, la grande mosquée, la mosquée de vendredi, les jours de fête, allez partout, et appelez les gens à la prière dans un seul endroit, et sur une échelle universelle, accomplissez le pèlerinage. Quand vous y allez, vous aurez la plus grande surprise de votre vie. Vous dites quoi ? Un homme de Tamil Nagu, il est musulman. Dans mon pays, tous les Tamouls sont hindous. Quoi ? Il est Tamoul, et il est musulman. Et cet homme-là, un noir, comme du charbon, d'Éthiopie, un musulman, mon frère, et cet autre-là, aux cheveux blonds et aux yeux bleus, on dirait un Allemand ou un Norvégien, un musulman de Turquie. Non, ça élimine le racisme. C'est un système. C'est pas seulement des paroles, mais un système qui fonctionne continuellement. 5 fois par jour, lorsque vous faites la prière, et en terminant la prière, vous dites en arabe, « Et j'ai vu ici, j'ai vu un homme d'Éthiopie. J'ai vu ici un homme d'Afrique. J'ai vu un homme de la Chine. J'ai vu un homme de Timbuktu. » C'est donc un système qui élimine le racisme. Nous ne faisons pas que parler. C'est un système révélé par le Tout-Puissant, le Tout-Sage. Nous, musulmans, nous sommes la communauté la moins raciste au monde. Nous le sommes encore. Ce sont les survivances du passé, comme c'est le cas avec moi. Voyez-vous, mes ancêtres sont hindous. En Inde, nous avons un système de castes. Nous avons divisé la société en 4 castes différentes. En Afrique du Sud, ils nous ont divisés en 4 groupes différents, en fonction de la race. Dans mon pays, en castes, 4 castes différentes. Je suis musulman, mais dans mon milieu, on dit toujours « celui-ci est brahman, de la caste supérieure, et celui-là est un intouchable, de la caste inférieure. 5000 ans de sang indien circulent dans mes veines. Alors, s'il en reste quelque chose, vous pouvez le comprendre, les gens peuvent comprendre, mais en tant que peuple, dans l'ensemble, nous sommes les moins racistes de toutes les autres communautés au monde. Grâce à qui ? À l'islam. Donc, l'islam ne se contente pas de parler du problème, mais il vous montre comment le résoudre. Hier, vous avez démontré que la Bible n'était pas la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, vous citez la Bible pour nous prouver que l'avènement de Mohammed, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, était annoncé. Je vous prie de nous expliquer cela. Hier, il y avait un débat, et le temps de parole était réparti, de manière bien définie. Initialement, c'était 50 minutes, 60 minutes, et puis 10 minutes. Chacun de nous avait 60 minutes. Et celui qui devait parler le premier avait 10 minutes à la fin, car tout avantage a un inconvénient. Ainsi, chacun a parlé 60 minutes. Dans un tel débat, vous n'avez pas le temps de tout expliquer. Alors, qu'est-ce que la Bible ? Quelle sorte d'écriture est-ce la Bible d'après vous ? Dans l'ensemble, nous disons qu'elle n'est pas la parole de Dieu. Et je l'ai prouvé. Selon toute raison, selon le livre lui-même, la preuve intrinsèque que Moïse n'a pas écrit les livres qui lui sont attribués, Matthieu, Marc, Luc et Jean n'ont pas écrit les livres qui leur sont attribués, non seulement ce n'est pas le livre de Dieu, mais ce n'est même pas le livre de Matthieu, Marc, Luc ou Jean. Vous parlez de 24 000 manuscrits, je lance un défi et je dis qu'il n'y en a pas deux qui soient identiques. Ainsi, vous avez 24 000 évangiles différents. Lequel ? Vous avez pris celui qui vous convenait, vous l'avez adopté. Qui vous a autorisé ? Le conseil de Nicée ? Ils ont dit, nous prenons celui-ci, nous prenons celui-là et nous prenons celui-là. Tous les évangiles qui sont actuellement admis ne l'ont pas été en une seule fois. Vous avez choisi et pris ce qui vous convenait. C'est ce que vous avez fait. Et maintenant, vous dites que c'est la parole de Dieu. Et maintenant, la parole de Dieu est là, dans le livre. La parole de Dieu est dans le livre. La parole du prophète est dans le livre. La parole de l'historien est dans le livre.
Et la pornographie est dans le livre. Maintenant, je dois vous expliquer tout cela. Je dis, voyez-vous, je vous donne des exemples concernant la parole de Dieu. Comme dans le livre du Deutéronome, voyez-vous, les versets que j'ai cités en arabe, la même chose se trouve dans la Bible. Il y a là une idée quasiment identique. Je leur lèverai un prophète. Je leur lèverai un prophète parmi leurs frères, comme toi. Je mettrai ma parole dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonne de dire. Qui est-ce, je ? Dieu ? Il parle à Moussa. Je leur lèverai un prophète parmi leurs frères, parmi les fils d'Ismaël. Ceci s'adresse aux fils d'Israël. Il dit, parmi vos frères, comme toi, comme Moussa, et je mettrai ma parole dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonne de dire. Alors moi je dis que ce « je » est Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être un théologien, ou un devin, ou un prêcheur. Quiconque lirait ce texte vous dirait que ce n'est pas la parole de Dieu. Ceci n'est pas la parole de Dieu. Une autre citation extraite du livre d'Ésaïe. Comme si Dieu parlait, et Dieu parle. Il dit, « Rappelez-vous les choses du passé. Car je suis Dieu, et en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Je suis Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu comme moi. » Qui parle ? Ésaïe ? Non. Aucun juif ne dit qu'Ésaïe prétendait être d'essence divine. On l'aurait tué s'il l'avait fait. Non. Il parle au nom de Dieu. Dieu parle par sa bouche. Comme s'il était son porte-parole. C'est la mission de tout le prophète de Dieu. Il est le porte-parole de Dieu. Il écoute la parole de Dieu et il vous la communique. Ainsi, je suis Dieu et en dehors de moi, il n'y a pas d'autre Dieu. Je suis Dieu et en dehors de moi, il n'y a pas d'autre sauveur. Qui ? Dieu ? C'est Dieu qui parle. C'est la parole de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'être professeur de théologie pour le comprendre. Il y a un autre type de preuve dans la Bible. Si c'était une conférence, j'aurais expliqué tout cela la nuit dernière. Mais c'était un débat. Quels que soient les propos tenus par votre adversaire, vous ne pouvez pas polémiquer avec lui sur tous les points. La caravane passe et les chiens se mettent à aboyer. Vous n'arrêtez pas la caravane et faites marche arrière pour chasser les chiens. Vous devez poursuivre votre chemin. Vous devez faire votre travail et continuer jusqu'à ce que le travail soit terminé. Ce n'était pas l'occasion de vous expliquer tout cela. Voyez-vous, donc il s'agit de la parole de Dieu. Exemple, Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Et moi je vous dis, quiconque regarde une femme avec convoitise a déjà dans son cœur commis l'adultère avec elle. Qui est ce je ? Jésus. C'est Jésus qui parle. La parole d'un prophète de Dieu. Jésus poursuit. Il a été dit, si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui remette un certificat de répudiation. Et moi je vous dis, qui est ce je ? Jésus. La parole d'un prophète de Dieu. Jésus dit aussi, vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Et moi je vous dis, qui est ce je ? Jésus. La parole d'un prophète de Dieu. Il existe donc un autre type de preuve dans la Bible. Il y a d'abord Dieu qui parle, ensuite il y a le prophète qui parle, et enfin, il y a ce que l'historien, la façon dont il parle. Dans l'évangile selon Luc, il dit, pendant qu'il, il s'agit de Jésus, je mets Jésus entre parenthèses, comment il revenait à la ville de bon matin, il, Jésus, aperçut de loin un figuier avec des feuilles. Heureux, il, Jésus, s'en approcha pour cueillir des figues, mais n'y trouva que des feuilles car il n'était pas encore mûr. Qui raconte ? Un témoin oculaire ou un témoin auriculaire ? Ce n'est ni Dieu ni Jésus. Alors, voyez-vous, un autre type de preuve. Parole de Dieu, parole du prophète, parole de l'historien, et il y a aussi des preuves d'un autre genre. J'avais suggéré, j'ai perdu 100 dollars, ceux qui étaient là s'en souviennent. J'ai perdu 100 dollars, j'ai demandé à frère Swaggart de lire un certain passage du livre, de la Bible. D'abord, il a fait la sourde oreille. Peut-être qu'il n'avait pas le temps. Puis, quelqu'un de l'assistance l'y a exhorté de nouveau, il dit, « Regardez, que dites-vous de ce chapitre du livre d'Ézéchiel ?» Et il y avait aussi les 100 dollars. Alors, il l'a lu. Mais il l'a lu à une vitesse de 60 miles par heure. Alors, un étudiant d'université s'approche de moi et me dit, « Écoutez, il a lu, mais je ne savais pas. » Je lui dis, « C'était une plaisanterie. » Je dis, « Écoutez, premièrement, vous êtes en position d'infériorité. Vous êtes arabe.
d'un pays arabe. Vous ne connaissez pas très bien l'anglais. Deuxièmement, l'anglais qu'il a employé est un anglais archaïque, ancien, de la version du roi James. Voyez-vous, nous lui avions donné cette brochure qui est extraite de la nouvelle version internationale, une langue moderne, où on appelle un chat. Mais il a lu dans la Bible archaïque. On ne peut pas le blâmer parce qu'il utilise la version du roi James. Il l'a lu. Et vous ne connaissez pas très bien l'anglais. Ça aussi, c'est un désavantage. Et il l'a lu à cette vitesse dont je viens de vous parler. C'est ce qui s'est passé. Je dis, écoutez ce que vous allez faire. C'est le lire dans cette brochure et vous comprendrez ce qu'il a lu. Ainsi donc, il l'a lu, la plupart, j'en suis sûr, n'ont pas compris la plaisanterie. Non, la vitesse, la prononciation, il n'était pas aussi emphatique que quand il cite d'autres textes bibliques. Vous savez, il lit de façon telle que chaque mot et chaque phrase descendent dans votre gorge ou dans votre oreille. Mais hier, c'est différent, soit en 60 miles par heure. Il y a donc ce genre de texte qu'aucun homme décent, ai-je dit, n'oserait lire devant sa mère, sa sœur, sa fille, ou même devant sa fiancée, si elle était vraiment vertueuse. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est le lire vous-même, pour savoir de quoi ça parle. Vous n'avez pas compris la plaisanterie, ce n'est pas de ma faute. Voyez-vous, si vous ne connaissez pas très bien l'anglais, et vous savez, la vitesse et la langue archaïque, ce sont des facteurs qui comptent, vous n'avez pas compris la plaisanterie, voyez-vous. Mais si vous compreniez la plaisanterie, vous savez qu'aucun homme décent n'oserait lire ça dans son église ou devant sa famille. Voyez-vous, c'est un autre type de preuve. Ainsi, nous avons la parole de Dieu dans la Bible, il y a la parole du prophète dans la Bible, il y a la parole de l'historien, témoin oculaire ou auriculaire dans la Bible, et il y a cet autre type qui est la pornographie dans la Bible. Nous aussi, nous avons quelque chose de semblable dans l'islam. Nous avons la parole de Dieu dans le Coran. La parole de Dieu uniquement. Il ne vous raconte pas des histoires. Nous connaissons un certain événement dans la vie du prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui. Une délégation chrétienne est venue de Nayaran à Médine. C'était des Arabes chrétiens. Ils avaient entendu qu'un autre Arabe prétend être en communication avec le Tout-Puissant, un prophète. Alors ils se sont dit, nous allons vous le voir et l'interroger. Nous allons voir ce qu'il sait. Alors ils sont venus à Médine et ils furent hébergés à la mosquée du prophète. Ils mangèrent et dormirent là et ils eurent aussi un entretien pendant 3 jours et peut-être 3 nuits. Quand dimanche est arrivé, notre prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, leur offrit un siège à ces chrétiens pour faire leur prière. Ils avaient l'esprit large, pas comme nous. Certains parmi nous pensent que leur mosquée est supérieure à celle qu'avait notre prophète. Pas de doute sur le plan de l'architecture, oui. Il leur donna la permission, l'autorisation de faire leur prière. Au cours d'entretien, le porte-parole des chrétiens posa cette question, parmi tant d'autres. Il dit, d'accord, dites-nous maintenant, quelle est votre conception de Dieu ? Et notre prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, ne chercha pas ces mots. Vous savez, bon, voyez-vous, c'est comme ceci et comme cela. Non, il ne fit pas comme ça. C'est le Dieu d'Abraham, de Moïse, de David et de Salomon, vous savez, celui qui parle à Abraham. Non, il ne parla pas de cette façon. Lorsque la question lui fut posée, quelle est votre conception de Dieu ? Le prophète Mohammed, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, comme s'il appuyait sur des petits boutons, essayant d'avoir accès à la mémoire centrale d'un ordinateur. « Oh mon Dieu, que dois-je répondre ? » Personne ne l'a entendu dire ça. Il n'y avait pas de bouton. J'ai dit comme si. Je pense que vous avez compris. Ne soulevez pas une controverse après mon départ. Il a dit, Mohamed appuyait sur des boutons, vous savez, il avait un ordinateur. J'ai dit comme si. « Oh mon Dieu, que dois-je dire ? » La réponse est descendue sur lui. « Dis !» C'est lui, Dieu, seul et unique. Dieu, le recours suprême et efficient. Il n'a jamais enfanté et il n'a jamais été enfanté. Nul ne lui est égal ou semblable. Voyez-vous, c'est notre conception de Dieu. Vous voyez maintenant, il s'agit d'un niveau tout à fait différent. Dis ! Il demande, oh mon Dieu, que dois-je dire ? Personne ne l'a entendu dire poser cette question. Mais lorsque la réponse est descendue, dis ! Il ne s'agissait plus du discours humain. Si quelqu'un vous demande quelle est votre conception de Dieu, ne commencez pas votre réponse par « dit ». Si l'on vous demande 12 par 12, ça fait combien ? Qu'est-ce que vous répondez ? 144 ? Non. 6 par 6 ? 36 ? Vous ne dites pas « dit 36 ». »« Dit 144 ». Est-ce que c'est comme ça que vous répondez ? Non. Pourquoi ce « dit » ? Parce que les paroles furent mises dans sa bouche. Une tablette conservée de la mémoire centrale, vous comprenez, il est en communication. Il possédait cette machine
la guidance spirituelle. Allah lui communique sa parole. Que dois-je dire? Dis, c'est lui Dieu, seul et unique. Je vous disais donc que toutes ces choses-là ne se trouvent pas dans le Coran. Dans le Coran, vous ouvrez à la sourate, la foi pure, chapitre 112, et vous commencez, au nom du Dieu, le clément, le miséricordieux, dit, c'est lui, Dieu, seul et unique, Dieu, le recours suprême et efficient, il n'a jamais enfanté, il n'a jamais eu enfanté, nul lui est égal ou semblable, c'est tout. Où il se trouvait, en quelle occasion, comment ça s'est passé? Rien. Il n'y a que la parole de Dieu. Tout le reste, c'est des détails. Comme nous donnent plus tard, ils disent, voilà comment ça s'est passé. Ceux qui étaient des témoins oculaires, des témoins auriculaires, ce qui s'est passé, ce que notre prophète a dit, tout cela fut porté à notre connaissance. Vous trouvez les autres détails dans les livres du Hadith. Parole du prophète, un livre séparé. Parole de Dieu, un livre séparé. Hadith, parole du prophète, un livre séparé. Histoire, Ibn Rushd, Ibn Tamiana, écrivain grec, des livres séparés, livres séparés. Et notre nuit arabe, livres séparés aussi. Oui. Les nuits arabes, vous savez, des contes de fées, ces contes affreux, dégoûtants, circulaient autour des feux de camp. Vous savez, les arabes avaient aussi de quoi passer le temps. Vous savez, avant l'islam, peut-être même après l'islam, sous le règne de Haroun al-Rachid, Maoun al-Rachid. Nous ne savons pas comment l'Empire s'est développé. Et il voulait passer le temps, vous savez, d'une nouvelle quelconque ambiance joyeuse, plaisanterie ordurière, histoire dégoûtante que vous racontez autour d'un feu de camp. Et ils les ont publiés dans un livre. Isgerald a traduit par les Nuits arabes dans une version intégrale. Je l'ai lu et il m'a beaucoup plu parce que je l'ai beaucoup aimé. Une version intégrale. Mais c'est un livre séparé. Ils ne sont pas dans le Coran. Ils ne sont pas dans le hadith du prophète. Ils ne sont pas dans les livres des historiens. Un livre séparé. Ainsi donc, nous avons la parole de Dieu, la parole du prophète, la parole des historiens et la pornographie, tout dans les livres séparés. Eux, ils ont mis tout cela dans le même livre. Alors vous vous demandez, comment vais-je l'utiliser? Je dis, écoutez, dans un procès, un différent matériel, quand l'affaire est portée devant le tribunal. Voyez-vous, le demandeur, celui qui engage l'action, va à la barre, vous savez, la barre des témoins, et il fait une déclaration sous serment. Il donne son témoignage, il expose sa plainte. Et votre avocat, vous êtes le défendeur, votre avocat l'interroge sur les faits pour prouver au juge que le demandeur ment. Il ment. Il ment. Mais dans ces mensonges, il glisse quelques vérités. Dans n'importe quelle nation civilisée, comment fait-on pour résoudre le problème? Vous essayez de déceler ses mensonges aux endroits où il ment. Vous dites, écoutez, vous dites qu'il faisait nuit. Il répond oui. C'était une nuit sans lune. Et les rues n'étaient pas éclairées? Non. Et vous dites avoir vu sa voiture? Il répond oui. Et vous avez pu relever son numéro d'immatriculation? Il répond oui. Avez-vous vraiment d'aussi bons yeux? Vous avez des yeux microscopiques ou à rayon X pour pouvoir voir toutes ces choses? Pouvez-vous voir quelque chose là? Il répond non, je ne peux pas. Il dit, écoutez, il y a plein de lumière ici et vous êtes incapable de voir le rideau là-bas? La couleur, ce qui est écrit là? Il répond non, je ne peux pas. De cette manière, il veut montrer au juge que le demandeur ment. Il est menteur, il est menteur, il est menteur. À la fin de sa plaidoirie, il conclut en demandant l'acquittement avec dommages et intérêts, c'est-à-dire l'accusation d'être rejetée. Et je demande une indemnité pour tous les ennuis qu'il m'a causés. Et il l'obtient. Maintenant, il dit, mais écoutez, vous savez, il y a cet autre témoignage qui était sincère. Eh bien, le tribunal n'en a pas tenu compte. Voyez-vous, vous retenez ce qui peut servir votre cause. Pour le reste, vous dites, écoutez, ceci n'a rien à voir avec nous. Nous avons prouvé au monde et à vous que vous n'aviez pas de jambes pour vous tenir dessus. Pour cette raison et cette raison. L'affaire est close et le travail est fait. Voilà comment vous raisonnez dans la vie, quel que soit le cas, et nous faisons de même quand il s'agit de religion. J'étais chrétien, mais maintenant je suis converti à l'islam. Je suis en paix. Je pratique beaucoup l'islam et je fais de mon mieux pour être bon musulman. Avant de me convertir à l'islam, j'étais homosexuel. Maintenant, je suis musulman, mais je continue à ressentir un penchant pour les autres hommes.
Je fais tout ce qui est possible pour chasser ces sentiments. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire pour guérir définitivement de l'homosexualité? Je ne peux vous donner aucune solution facile. Je ne peux pas vous prescrire une pilule. On ne peut pas dire, écoutez, vous prenez cette pilule et tous vos problèmes se dissiperont. Vous savez, toute une vie de... c'est pas facile. Il faut un grand effort, de grands sacrifices. Vous savez, pour la dompter, la restreiner. Ce dont vous avez besoin, c'est une bonne compagnie et la compagnie de la parole de Dieu. Lisez ce livre de Dieu avec ferveur. Si vous le lisez avec ferveur, vous trouverez qu'Allah Tout-Puissant vous parle. Et quand vous laissez Allah vous parler, vous parler, vous parler, sa parole fera le travail pour vous. Il n'y a pas de solution facile. Je ne peux pas dire qu'il existe une solution facile. Comme je le disais, vous prenez une pilule ou bien vous prenez n'importe quoi. Je vous donne un morceau de papier avec quelques mots écrits dessus et vous le mettez sur votre cou. Et voilà que par enchantement, votre problème se trouve résolu. Non, ce n'est pas de ces solutions faciles. C'est un combat et que vous devez mener avec toute sincérité et énergie. Vous menez ce combat et je suis certain que Dieu Tout-Puissant vous aidera dans votre effort à suivre le droit chemin. Je l'espère. Inch'Allah. Comment expliquez-vous le fait qu'un si grand nombre de chrétiens croient en la Bible sous sa forme actuelle, en dépit des contradictions dont vous avez parlé? Je n'ai pas compris la plaisanterie, de quoi s'agit-il? Comment expliquez-vous le fait qu'un si grand nombre de chrétiens croient en la Bible sous sa forme actuelle, en dépit des contradictions dont vous avez parlé? Vous savez, lavage de cerveau. Lavage de cerveau. Vous subissez tous un lavage de cerveau. Voyez-vous, la dernière fois que je suis venu ici en 1977, j'ai discuté avec des étudiants et des professeurs à l'université de Berkeley à San Francisco. Je leur ai dit, vous avez tous subi un lavage de cerveau. Un professeur s'est levé et m'a dit, non, programmé. J'ai dit, pardon, programmé. Nous sommes tous programmés. Voyez-vous, nous avons tous été programmés depuis l'enfance pour adopter certaines croyances, certaines attitudes. Et si personne ne propose une meilleure connaissance pour vous reprogrammer, pour vous déprogrammer, vous resterez là où vous êtes. Il y est comme un naufragé qui s'accroche à n'importe quoi. Vous dites, écoutez, ce livre ne peut pas vous aider. C'est l'esprit qui est en vous qui vous a aidé. Vous êtes ou vous étiez alcoolique. Et vous cherchiez un moyen de vous en sortir. Vous aviez besoin de quelqu'un pour vous aider. Vous savez, vous rentrez chez vous et vous trouvez votre femme terrifiée, vous trouvez tous vos enfants terrifiés, ils s'écartent tous de votre chemin. Vous savez où est le problème? Vous savez que c'est terrible, que c'est horrible. Mais que pouvez-vous faire? Que pouvez-vous faire? Vous n'aimez pas ça, mais vous êtes impuissant. Vous êtes entre les griffes de Satan. Alcool. Arrive alors une personne avec un peu de charisme et vous dit, écoutez bonhomme, pensez et croyez que le Christ est là pour vous aider. Il a tout fait pour vous. Il s'est sacrifié pour vous. Émotionnellement, vous êtes d'humeur pour changer. Vous êtes comme un naufragé luttant pour sa survie, pour vous sauver du naufrage et la paille. Vous savez, vous tombez sur une paille alors que vous étiez capable de vous en sortir. Vous dites, la paille m'a aidé. Je dis, non, c'est la volonté de résistance qui enflammait votre cœur et votre esprit, la lutte que vous avez menée qui vous a permis d'atteindre le rivage, non la paille. Mais maintenant, quand vous essayez d'expliquer cela d'un point de vue logique, je dis, écoutez, c'est la lutte qui vous a sauvé, votre volonté, votre sincérité qui vous ont sauvé. Il dit non, il pense que vous essayez de rejeter dans la mer, dans le bourbier. Non, nous cherchons seulement à expliquer. Mais maintenant, les gens ont vécu cette expérience et ils sont terrifiés. Si seulement ils pouvaient se débarrasser de ce refrain, le Christ est mort pour la rédemption de mes péchés, il m'a sauvé. Je dis, frère, c'est votre détermination, votre foi, votre volonté qui vous ont sauvé. Il dit, non, 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 c'est le Christ qui m'a sauvé, comme s'il essayait de... Il est terrifié, il pense que vous allez le rejeter à la mer, que vous allez le rejeter dans le bourbier, ce qui n'est pas le cas. Voyez-vous, maintenant, nous devons proposer une alternative aux gens. Ils n'en ont pas. Le seul livre qu'ils connaissent est celui-là. Et ils peuvent voir, la plupart d'entre eux, ils peuvent voir quel gâchis il a causé. Il n'a pas apporté de solution au problème. Alors quand ils se laissent aller, ils le font sans retenue, ils avalent n'importe quoi. Hare Krishna, vous savez, ces garçons avec une petite natte, ils dansent avec un vêtement jaune safran, avec des tambours. Non, non, c'est l'esprit, vous savez. Vous voulez quelque chose, alors vous prenez n'importe quoi et vous dites, j'ai trouvé la paix ici, j'ai trouvé la paix là.
vous rejoignez les monistes et vous trouvez la paix. Vous rejoignez les Hare Krishna et vous trouvez la paix. N'importe quelle secte. L'essentiel est ce que vous cherchiez ardemment, ce pourquoi vous avez lutté. Le reste n'est que prétexte. La paille, la paille, la paille. Ce n'est pas la paille qui vous a sauvé. Alors, nos frères et sœurs chrétiens ne savent rien sur le Coran. Si leur livre les déçoit, pourquoi pas un livre oriental? Le Coran, un livre oriental. Que peut-il faire pour vous? Ils ne connaissent pas ce livre. Et c'est de notre faute. Nous n'avons rien fait pour les éclairer. Nous-mêmes, nous ne savons rien sur le Coran, la plupart d'entre nous. Comment pourriez-vous en parler à un chrétien? Mes frères arabes, vous dites, écoutez, je ne sais pas. Vous êtes de bons musulmans. Peut-être, vous êtes bons musulmans, vous connaissez le Coran. Mais comment allez-vous leur expliquer ce que dit le Coran? Au fond de vous-même, vous comprenez quand vous dites au nom de Dieu le Clément, le Miséricordieux, traduisez cela à votre entourage. Comment allez-vous le traduire? Vous dites, voyez-vous, l'ange est venu, que pouvez-vous faire d'autre? Vous le savez vous-même, vous le comprenez très bien. Vous comprenez ce qu'il dit, mais vous ne connaissez pas la langue, vous ne connaissez pas les bons termes. Vous êtes ici depuis peu de temps, vous êtes peut-être mathématicien ou électronicien ou tout ce que vous voulez, mais cette langue, comment traduire ce que vous lisez? Vous ne le savez pas. Alors, mon frère me dit en parlant de vous, écoutez, le Coran est pour les Américains, non musulmans. Il n'a pas prononcé le mot non musulman, mais c'est ce qu'il voulait dire, Américain. La plupart d'entre vous sont peut-être nés ici, vous êtes aussi des Américains musulmans, nés ici. Vous êtes Américains, mais vous pensez à des Américains non musulmans. Mais ce n'est pas seulement ceux-là qui ont besoin de traduction. Vous, je dis, vous les Arabes, vous en avez également besoin. Croyez-moi, vous avez besoin de cette traduction. Dans votre milieu, chez vous, vous n'en avez pas besoin. Allah, devant Allah, vous n'en avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin de traduction. Mais pour parler dans cet océan, l'occidentalisation, la chrétienté, l'environnement anglais, vous avez besoin d'une traduction pour employer des mots corrects, pour exprimer le sens de ce que vous lisez. Le sens est là, dans votre tête, mais vous n'arrivez pas à le reproduire. Maintenant, vous avez une traduction, Sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 42, comme celui-ci. Et lorsque les anges dirent « Ô Marie, Dieu t'a élu, l'a purifié, t'a élu au-dessus des femmes, des humains. » Ô Marie, sois pleine de dévotion à ton Seigneur, prosterne-toi et courbe-toi avec ceux qui se courbent. Maintenant, si vous pouvez apprendre par cœur cette traduction anglaise, déjà les Arabes, j'ai interrogé des étudiants arabes de l'université de Dharan. Je leur dis, combien parmi vous connaissent par cœur ce verset? Combien? 80% environ levèrent la main. Je dis, connaissez-vous tous le Coran par cœur? Ils répondirent non. Je dis, comment le savez-vous? Bon, à force de lire. Votre langue, c'est facile à retenir, d'accord. Je dis, Mashallah, vous avez fait votre devoir, vous le savez. Et maintenant, je dis, comment faire pour améliorer l'anglais? Je vais vous apprendre comment améliorer votre anglais. Vous savez, j'ai appris beaucoup de langues. Je connais beaucoup de langues. Je peux vous citer des versets en indonésien, en swahili, en espagnol, quelle autre langue? Nigérien, zoulou, swahana, afrikaans, arabe, hébreu. Quelle langue voulez-vous entendre? Dites-le-moi. Dites-le-moi vite. Quelle langue voulez-vous entendre? Allemand. Je n'ai pas cité l'allemand. Allez. Allez. Une de ces langues. Les langues que j'ai citées, swahili. Vous savez, j'ai appris des langues, plusieurs langues. C'est très utile. Pour moi, voyez-vous, le swahili m'ouvre les portes à Kenya. Voyez-vous, les Africains du Sud ne sont pas admis à Kenya. Alors quand je débarque là-bas, quelquefois, deux fois, je me sens perdu. À Nairobi, il faut attendre 24 heures pour prendre l'autre avion. Je ne peux pas sortir, je dois attendre sur place. Alors je suis obligé de trouver une occupation pour ne pas devenir fou. Et c'est ce que je fais.
chaque fois que je rencontre un Kenyan, vous savez, les officiers en uniforme, je lui dis, vous savez, je suis en train d'apprendre votre langue. Il dit, ah bon? Je dis, écoutez, je ne sais pas si c'est bon, mais écoutez. Et je commence. Et les gens s'attroupent autour de moi. Je finis ça et je dis, savez-vous de quoi s'agit-il? Puis je commence à leur expliquer, ils m'écoutent. Je rencontre un Malaisien, un Indonésien, je lui dis, vous savez, je suis en train d'apprendre votre langue. Il dit, ah bon? Je dis, espagnol? Je dis, vous voyez, hébreu, je voulais aller en Israël pour parler avec mes cousins, leur délivrer le message de la dernière volonté et du testament de Moïse, que le salut de Dieu soit sur lui. Ainsi, je me suis dit, je vais aller les voir et leur parler. Vous savez, la dernière volonté, le testament de Moïse, que le salut de Dieu soit sur lui, le livre du Deutéronome, chapitre 18, verset 18, il dit, et ainsi de suite. Je veux parler à mes frères arabes. Je ne parle pas l'arabe. Alors j'ai appris la vie de l'arabe. Je rencontre un chrétien arabe, je lui dis, connaissez-vous l'arabe? Il dit oui. J'ai eu une discussion avec un type qui m'a beaucoup dérangé au Canada, en un endroit appelé Hamilton. Voyez-vous, une conférence. Et à la fin de la conférence, ce type me pose des questions. Il ne me laisse pas partir. Une question, puis une autre. Heureusement, cette nuit, vous n'en avez pas l'occasion. Tout est écrit sur papier. Vous ne pouvez pas me harceler de questions. Mais ce type, des questions verbales. Il pose une question, j'y réponds. Puis une autre question et une autre. En fait, lorsque la conférence est terminée, il était encore là, tourné autour de moi. Il ne voulait pas me laisser partir. De son accent, j'ai compris qu'il était arabe. Et d'après ses questions, j'ai su qu'il était chrétien. Alors je lui demande, vous êtes arabe? Il me dit oui. Je suis chrétien du Liban. Je dis, vous connaissez l'arabe? Il répond, oui, bien sûr. C'est ma langue maternelle. Je dis, allez, vous ne connaissez pas l'arabe. C'est du judo intellectuel. Vous connaissez le judo intellectuel? Vous dites, non, je n'ai pas dû le pratiquer de cette façon. Alors je dis, écoutez, vous êtes un milliard et vous le faites à votre manière. Continuez. Je vous laisse tranquille, c'est ma façon de le faire, vous comprenez? Quand j'étais jeune, j'ai fait du judo, j'ai fait de la boxe, j'ai fait du catch, j'ai fait de l'haltérophilie. Voilà pourquoi, là, j'ai 69 ans, je me tiens encore droit. Je lui dis, allez, mon gars, vous ne connaissez pas l'arabe. Il me dit, voulez-vous dire que vous connaissez ma langue mieux que moi? Je dis, non. J'ai honte de vous dire que je suis né musulman, mais que je ne connais pas la langue du Coran. C'est la langue du paradis, la langue de mon prophète, mais je ne connais pas l'arabe. J'ai honte de moi-même. Il dit, quand vous dites que je ne connais pas l'arabe, je dis, voyez-vous, vous lisez ce livre, la Bible, dans votre langue maternelle, l'arabe. Il dit, oui. Je dis, vous comprenez le contraire de ce que vous lisez, et non ce qu'il y a dedans. Si la Bible vous dit, tu ne commettras pas l'adultère, vous comprenez, commet l'adultère. Il dit, qu'entendez-vous par là? Vous me prenez pour un zombie? Je dis, non. Écoutez, je vais vous le prouver. Je dis, vous vous rappelez lorsque Jésus est allé dans la salle où les disciples prenaient leur dernier repas après cette prétendue crucifixion, il entra et leur dit, Assalamu alaikum, la paix soit avec vous. En hébreu, on dit également, Assalamu alaikum. Quand les disciples entendirent dire cela, ils étaient terrifiés. Pourquoi étaient-ils terrifiés? Quand vous reverrez votre maître après une longue absence, ou votre oncle, ou votre grand-père, vous êtes heureux. Les Arabes ont l'habitude de s'embrasser. Avant, je me sentais drôle, mais maintenant, j'y suis habitué. Certains me donnent un petit baiser sur le front. Vous savez, je me sentais tout drôle, mais maintenant, j'y suis habitué. Les Arabes et les Juifs s'embrassent entre eux. Quand ils voient son maître, ils l'embrassent. Tandis que là, ils commencent à le faire, et ses disciples sont terrifiés. Pourquoi étaient-ils terrifiés? Luc nous dit, chapitre 24, verset 36, parce qu'ils s'imaginèrent voir un esprit. Je dis, ressemblait-il à un esprit? Il dit non. Je dis, pourquoi imaginèrent-ils qu'il était un esprit alors qu'il ne ressemblait pas à un esprit? Il était troublé. Je dis, écoutez, la raison est, et je lui donne l'explication. Puis j'ajoute, vous savez, Jésus est venu leur dire qu'il n'est pas ce qu'il croyait être. Il croyait que Jésus était revenu de l'au-delà, qu'il était ressuscité. Alors il dit,
Il dit, regardez mes mains et mes pieds. C'est-à-dire, c'est moi en personne. Touchez et voyez. Car un esprit n'a ni chair ni peau, comme vous voyez que j'en ai. Et ils ne croyaient pas encore par pure joie, c'est-à-dire, ils étaient très heureux. Et ils se demandaient, que s'est-il donc passé? Nous pensions que le Seigneur était mort et enterré. Alors il dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Et ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé et du miel. Il les prit et les mangea sous leurs yeux. Pour prouver quoi? Qu'il est un revenant, un spectre ou un esprit? Non. Pour leur dire, je suis le même homme, espèce d'idiot, pourquoi avez-vous peur de moi? Il était sidéré, cet arabe, le chrétien. Cette langue. Ainsi j'ai appris ces bribes de différentes langues. Je ne connaissais pas l'hébreu, je ne connais pas l'indonésien, je ne connais pas l'arabe, je ne connais pas l'espagnol. Mais je vais vous révéler mon secret. Vous voulez savoir comment je fais? J'ai une méthode d'apprentissage unique en son genre. Une méthode unique, unique. Personne. Je suis une personne unique, vous savez. Il n'y a aucune autre personne au monde, non. Chacun est unique. Voilà, chacun est unique, chacun est unique. Comprenez-vous? Je ne me vante pas, mais chacun est unique. Un jour, j'ai dit à ma femme, j'étais unique. Elle ne croyait pas ses oreilles. Mais je lui ai prouvé. Elle avait peine à le croire. Elle pensait que je me vantais. Personne n'est comme moi. J'ai dit que je suis unique. Il n'y a vraiment personne comme moi. Elle dit non. J'ai dit, vous savez, dans ma famille, monsieur un tel, je n'ai pas retenu le nom. Elle imagina le type mentalement. J'ai dit, y a-t-il quelqu'un qui lui ressemble? Elle dit, non. Je dis, notre fils? L'aîné, mon fils aîné, Ibrahim. Je dis, y a-t-il quelqu'un comme lui? Elle fouille dans sa tête, lui dit, non. Je dis, votre frère Ibrahim, son frère. Je dis, y a-t-il quelqu'un comme lui? Elle fouille dans sa tête, puis dit, non. Voyez-vous, je vous dis, chacun est unique. Mais j'ai une méthode unique. Elle est unique. Voyez-vous, j'utilise la Bible pour apprendre ces langues. Je veux apprendre n'importe quelle langue. Je vais dans une librairie et j'achète la Bible, dans la langue en question, parce qu'on a édité la Bible dans 2000 langues différentes. Et je connais largement la Bible en anglais par cœur. Les gens pensent que je connais toute la Bible par cœur, ce qui n'est pas le cas. Que je connais tout le Coran par cœur, ce qui n'est pas le cas. Des fois, je donne l'impression de connaître toute la Bible et tout le Coran par cœur. Ce n'est pas vrai. Mais je connais très bien ce livre. De ma vie, je n'ai jamais rencontré un seul chrétien qui connaisse sa Bible mieux que moi. Alors, comme je connais largement ce livre par cœur, si je veux apprendre l'arabe, je cherche une Bible arabe et je l'ouvre au verset que je connais déjà par cœur. C'est très facile pour apprendre et pour comprendre chaque mot. Si je veux apprendre l'indonésien, je cherche une Bible en langue indonésienne et je fais pareil. Si je veux apprendre le zoulou, je fais la même chose. Swahili, je fais la même chose. Voilà comment j'ai appris les langues. Je vous dis une méthode unique. Et j'aimerais que vous fassiez comme moi. Je ne vous demande pas d'aller tous acheter les Bibles et apprendre de cette manière, non. Mais ce que j'ai en anglais, la Bible, vous l'avez en arabe, le Coran. Je dis, servez-vous de ce livre. Vous connaissez ces versets? Je dis oui. Maintenant, vous prenez une traduction anglaise, cherchez les mots que vous connaissez déjà. Et lorsque les anges dirent, « Oh Marie, apprenez cet anglais verset par verset. » Vous connaissez l'arabe? Maintenant, apprenez l'anglais. Une fois que vous l'aurez fait, votre vocabulaire sera amélioré, la construction des phrases sera améliorée. Et voici une occasion pour mettre en pratique vos connaissances. J'ai appris qu'il y a 10 000 Américains autour de Dharan. Je dis, ils sont vos clients. Chaque fois que vous rencontrez un homme blanc, vous lui demandez, pardon monsieur, à quelle église appartenez-vous? Il citera un nom, vous savez, il est votre client. Vous dites, vous savez, je crois en Jésus. Il dira oui. Il pensera que vous voulez une cigarette ou un chocolat. Vous dites, savez-vous ce que dit mon livre de Jésus? Il répondra, non. Vous dites, il dit, et lorsque les anges dirent, ô Marie, faites cela, pratiquez, parlez. Aussitôt que vous arrivez en Angleterre ou en Amérique pour poursuivre des études, vous vous sentirez en meilleure forme. Voyez-vous, le plus grand problème que les étudiants rencontrent ici,
Je sais, j'ai appris que votre problème numéro un, quand vous venez dans ce pays, apprenez-vous l'anglais chez vous? Votre problème, c'est la langue. Le problème numéro un. Deuxième année, votre problème numéro un, c'est la langue. Troisième année, votre problème numéro un, c'est la langue. Quatrième année, le problème de la langue est peut-être relégué au deuxième plan ou au troisième plan. Il y a d'autres problèmes. La langue, la langue, la langue, voilà votre problème. Alors maintenant, voilà ce que vous devez faire. Vous apprenez la parole d'Allah, vous parlez, vous lisez en arabe. Allah vous donne sawab, sawab, sawab. Chaque fois que vous lisez une lettre, Allah vous donne 10 sawab, bénédiction. Quand vous dites al-islam veut dire 10, 30 sawab. Vous dites 190 sawab. Je ne sais pas compter, mais plus de 200 sawab. Bénédiction, bénédiction. Vous aurez sawab. L'arabe devient plus aisé. L'anglais est amélioré. Vous gagnez en courage. Maintenant, quand vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez lui parler. Vous devenez causeur, vous savez. Si demain matin, nous vous donnons l'occasion de poser des questions du rez-de-chaussée, même pas le quart de vous ne serez là. Savez-vous pourquoi? Terrifié, terrifié. J'ai vu ça maintes et maintes fois. Aussitôt qu'ils arrivent, on se met à écrire un flot, un déluge de questions. Pourquoi vous avez une peur panique de vous lever et de parler? Pourquoi? Parce que vous n'en avez pas l'habitude. C'est la vérité. Levez-vous et parlez. Posez des questions. Couvrez-vous de ridicule. Mais plus vous vous montrez ridicule, plus vous vous améliorerez. Quelle belle occasion vous avez ici. 2 millions d'Américains, tout le monde est disposé à vous écouter dans la langue que vous vous efforcez maintenant d'apprendre. Parlez-lui et confondez-le. Parlez-lui.